Bonsoir, bienvenue dans ce rendez-vous hebdomadaire de Tour d'Europe. Comme d'habitude, Emmanuel Léchon vous attend sur Kavi TV, disponible sur CanalSat numéro 249, mais aussi sur StarTimes, TNT Canal 113, sur satellite Canal 779 et sur la 89.5 Kavi FM et sur l'ensemble de notre réseau synchronisé, groupe Kavi Média, Kavi TV, Ganga, RTV, Siaminfo.com. Le sommaire de Tour d'Europe d'aujourd'hui, Moriba Kuruma poursuit sa montée en puissance en Liga et s'impose pour progressivement, comme un élément clé du Celta Vigo, même si l'équipe a perdu ce samedi, Ilex a une nouvelle fois montré son potentiel avec des performances de qualité. Son influence, son milieu de terrain, sa capacité à distribuer le jeu et sa combativité ne passent pas inaperçus. On va en parler dans cette émission. Lors du match nul face à Lille en Ligue 1, McDonald, l'international guinéen, a sauvé son équipe dans les ultimes instants. Qu'est-ce qui explique cette longévité dans une carrière rempli de rebondissements? C'est la question que nous allons poser à nos millions de téléspectateurs qui nous regardent, mais aussi nos auditeurs et aussi nos spécialistes présents sur ce plateau. Et puis, largement dominateur dans son Anfield, Liverpool a battu Manchester City 2-0 dimanche pour conforter son statut de leader de Premier League, relégué la formation de Pep Guardiola à 11 points. Et puis, en Espagne, en pleine commémoration de son 125e anniversaire, le FC Barcelone a chuté samedi contre Las Palmas, 17e de Liga, au coup d'envoi. Et 4 jours après son pénalty raté contre Liverpool, Kylian Mbappé a fait trembler les filets avec le Real Madrid contre Getafe 2-0 dimanche en Liga. L'international français a été percutant jusqu'au bout. Kylian Mbappé a-t-il retrouvé des sensations? Nous allons poser cette autre question à nos spécialistes. Pour finir, gagner des millions avec notre sponsor Yellow Bet en tapant le lien du www.yellowbet.com.gn. Après, cliquez sur s'inscrire, puis introduisez votre numéro de téléphone, ensuite créez votre mot de passe, puis cliquez sur code promotionnel, introduisez le code promo du jour qui est Sigiri, puis cochez les conditions générales. Cliquez ensuite sur inscrivez-vous maintenant, introduisez le code de confirmation et que vous recevrez un message dans la partie code, puis cliquez sur terminer pour valider votre inscription et vous recevrez directement votre bonus de 50 000 francs guinéens dans votre compte. Tour d'Europe, c'est parti, juste après ce générique. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Avant de commencer même cette émission Tour d'Europe, on va faire le tour de la table, comme d'habitude. On va commencer par vous, Passy Bangoua. Bonsoir, heureux de vous retrouver dans cette émission. Bonsoir, bonsoir Sand, bonsoir tout le monde sur ce plateau. Bonsoir, ces millions d'auditeurs et téléspectateurs. Et de l'autre côté, on a Amadou Mazor Diallo, très bien coiffé, le nouveau marié, on peut le dire comme ça, heureux de vous retrouver dans cette émission. Ouais, je suis très enchanté d'être avec vous souvent dans nos différentes émissions, surtout quand on parle du football. C'est là où nous aussi, on se régale et on donne notre point de vue. C'est notre manière de jouer le football. C'est notre manière de jouer au football. Vous avez l'habitude quand même de peu d'être un véritable attaquant de football. Bon, c'est une question de destin. Question de destin. Mais encore, je suis en train de contribuer à ma manière. Parce que là, quand je donne mon point de vue et tout ça, je pense que je suis dans le milieu toujours. Tu es toujours dans le milieu, c'est normal. Quand on n'est pas footballeur, on peut être arbitre de touche, on peut être consultant, journaliste sportif. Même si Dian sourit de l'autre côté, je me tourne d'ailleurs vers Dian. Heureux de vous retrouver dans cette émission, Dian. Oui, bonsoir Hassan, bonsoir à tous ceux qui nous suivent. J'aurais aimé voir Mazor sur le terrain, comme ça on s'en serait délecté énormément à travers les critiques. Surtout s'il avait joué pour le Sili. On a joué le tournoi corporatif ensemble. Ah oui, en tout cas, on allait critiquer. Vous savez, on dit tout, c'est toujours facile d'être consultant ou journaliste que d'être sur le terrain. Donc on allait s'en délecter sur le terrain. Vous voulez parler de Cabadia, hein, un footballeur, c'est différent. Je me disais, hein, cette émission, ça promet, on va rentrer dans le vif du sujet. Je me disais, le jeune talent guinéen poursuit sa montée en puissance à Liga et s'impose progressivement comme un élan clé du Celta Vigo. Même si l'équipe a perdu samedi, Ilex a une nouvelle fois montré son potentiel avec des performances de qualité. Son influence au milieu de terrain, sa capacité à distribuer le jeu et sa combativité ne passent pas inaperçus. Alors, je vais me tourner vers vous, parce qu'on va commencer par vous. Qu'est-ce qu'on peut dire, hein, sur ce jeune-là? Est-ce qu'il est surcoté en Guinée? Bah oui, il est du tout, il est un peu classé parce que voilà, sa performance ne,
ne lui donnait pas assez de temps pour venir jouer en sélection. En fait, ça a été quand même quelque chose à la une au sein de l'actualité sportive du Guinéen. Mais est-ce qu'il faut retenir? Il n'était pas dans la performance du moment. En fait, ceux qui disent qu'il n'a pas sa place, je ne suis pas d'accord avec ceux qui pensent ainsi. Mais est-ce qu'il faut dire, à un moment, Kourouma Moriba n'était vraiment pas à la hauteur de ce qu'on attendait de lui. Peut-être d'autres vont dire que je suis trop dur avec lui, mais à un moment, quand j'ai vu ce jeune avec tout ce qu'on a, avec tous ces armadars qu'on a parlé de sa venue, avec quelques clean sheets qu'il a pu faire en sélection, à un moment, il est sorti complètement dehors de ce cadre. Il a été un joueur ou peut-être le chouchou de l'entraîneur d'Anta, il a été le chouchou de certains dirigeants, c'est pourquoi il jouait. Parce qu'à un moment, je vais parler de Kourouma, a fait une année sans pour autant jouer, et de club en club, sans aucune performance et zéro minute dans sa gibicière. Et on retrouve ce même Moriba en sélection. Je me dis que c'est une foutaise ou c'est une bêtise pour d'autres sélections qui n'ont pas été sélectionnées, pour d'autres joueurs qui n'ont pas été sélectionnés. Maintenant, pour la seule rencontre où il a été époustouflant, on dit que voilà, il est en train d'être marginalisé au sein de la sélection. C'est vrai, Saké a son opinion à donner ainsi, mais ce qui reste clair, il va continuer parce qu'on l'a beaucoup amené dans des émissions sportives, on a beaucoup parlé de lui. Il était question de faire une prise de conscience, je crois que c'est ce qu'il est en train de prendre. Il est en train d'aller toucher son ascension et puis aller s'inscrire en haut du tableau, en haut de ses attentes, et essayer de reconfirmer encore davantage sa venue en sélection guinéenne. À l'audience, c'est tout de même deux fois MVP. C'est quand même extra ce qu'il est en train de réussir aux côtés de Celta Vigo. Oui, c'est, disons, on ne peut pas passer sous silence une telle performance. Ouais. C'est vrai que pour ce qui est du match de ce week-end, son équipe a perdu, mais du moment où un milieu de terrain est nommé ou élu MVP d'une rencontre, c'est toujours important de le souligner parce que le plus souvent, on met en avant les attaquants. Donc, pour ce qui est de Moriba, écoutez, pour moi, c'est un joueur qui s'est sabordé lui-même parce que son talent n'est pas à contester. Il a un talent immense. Ce n'est pas pour rien qu'au début de sa carrière, le Barça misait énormément sur lui du fait de ses qualités, pas parce qu'il, pour une raison ou pour une autre, parce qu'il avait énormément de qualités. C'est là l'erreur de quitter le Barça. C'était prématuré, surtout la manière de quitter. Surtout la manière de quitter, parce que le Barça comptait sur lui. Et il y avait une proposition qui lui a été faite. Malheureusement, lui, il n'a pas répondu, mais son père avait à l'époque répondu, et mal répondu surtout. Et le Barça a décidé que c'était le moment de se séparer du joueur. Maintenant, 6-3 ans après, il se rend compte qu'il est en train de s'aborder sa carrière à lui, et qu'il se remette en question, qu'il se remette au travail, parce que c'est le talent est une chose, mais c'est le travail qui permet à un talent de pouvoir éclore à un moment ou à un autre. Donc s'il s'est rendu compte qu'il faut travailler afin de donner la pleine mesure de tout son potentiel, on est en train aujourd'hui de voir une autre version de Moriba. Espérons que ça continue, parce que à un moment donné aussi de sa carrière antérieurement à Leipzig, au début, à Retafé, au début, il a donné, il a montré certaines facettes, mais c'est la continuité dans les performances. C'est toujours un joueur de Leipzig. Hein. Ça appartient toujours à Leipzig, naturellement. Maintenant, c'est d'être constant dans les performances qui lui manquent. Espérons qu'il continue dans les mêmes standards. Et puis, pour la sélection, on en reviendra. Alors, Amadou, pour vous, hein, c'est petit, être MVP deux fois. Bon, c'est pas petit. Moi, cette fois-ci, quand même, je donne un carton vert. Ceci intéressant. Oh là là. Ouais, c'est... Non. Un carton vert. C'est à souligner. Hein. Amadou, hein, c'est... Ouais. Vous savez, moi, c'est que les gens ne m'ont pas du tout compris. Si c'est bon, j'apprécie. Si c'est pas bon, on dénonce. Alors, je ne suis pas contre l'ex Moriba, mais quand il arrive à faire deux matchs, il a été élu homme du match, c'est extrêmement important. C'est ce qui nous montre que franchement, il a fait... Un des grands partisans lors de la victoire contre le Barça. Ouais, il a été énorme. Ouais, il a été énorme. Il a fait franchement un match remarquable. J'ai vu quand même avec des frappes quand même qui ont été appréciées. Mais ce qui reste clair, c'est un joueur qui pouvait faire mieux. Voici un joueur qui a des énormes potentialités. Il est très jeune, athlétique, physiquement, il est fort. En tout cas, il a toutes les qualités. Mais le problème de ce joueur, je ne sais pas si c'est son entourage ou quoi, quelles sont les ambitions de l'ex Moriba, si on pose cette question. Il est jeune, mais il ne faut pas qu'il s'amuse. Le football, ça part très, très vite. Ça va très vite. Alors, pour le moment, quand même, je pense que dans cette formation, il devrait être titulaire. Aujourd'hui, ça fait partie de ses défis. Mm-hmm. Mais souvent, l'ex Moriba, il est remplaçant, il est sur le banc de touche, ce n'est pas bon pour lui. Il faut qu'il soit titulaire avec ses genres de clubs. Celta Vigo, il a le niveau quand même par rapport à ses genres de clubs. Quand tu
quand tu arrives à revoir quelques parcours qu'il a pu effectuer, même s'il n'a pas duré dans des clubs, mais il a quand même engrangé quelques expériences, Leipzig, Barcelone et tant d'autres. Donc, quand il vient dans ces genres de clubs, il faut qu'il soit titulaire. Moi, je pense qu'avec ces deux sorties, ce sont des signes précurseurs qui nous montrent qu'il est en train de progresser. Mais dans un cadre général, moi, pour le moment, je ne suis pas à faire le bilan d'Ilex Moriba dans ce club. J'attends d'abord toute une saison, parce que c'est un joueur qui n'est pas constant. Quand tu prends aujourd'hui là, l'équipe nationale, il a eu l'opportunité de jouer deux cannes, si j'ai bonne mémoire. Il a joué les deux cannes. Qu'est-ce qu'il a fait pour la Guinée? On a vu des jeunes footballeurs en Afrique qui sont venus ici tout dernièrement, ils se sont démarqués. Regardez le jeune Adengra, comment il a explosé lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Même s'ils sont pas, même si c'est pas les mêmes postes, mais Adengra aujourd'hui, c'est un garçon qui est en train de monter en puissance. Ah, c'est pas aussi la même sélection. Oui, c'est pas la même sélection, mais individuellement, ce garçon, il monte en puissance. Dès qu'il a quelques temps de jeu, il crée la différence, moins de bruit, sans polémique. Des joueurs comme Nampalis Mendy, qui sont venus dans cette formation sénégalaise, regardez comment il explose, les Pape Matar Sarr, comment il se démarque. Il y a pas mal de jeunes joueurs africains de sa génération qui sont en train de se démarquer. Mais aujourd'hui, lui, on se tape la poitrine, on parle de lui parce que dans deux matchs, il a été homme du match. Mais vous imaginez, zéro but marqué. Aujourd'hui même, les défenseurs sont en train de se démarquer en Europe pour marquer des buts. Moi, je pense que Ilex Moriba, il doit beaucoup travailler. Ah, pour vous, il doit faire mieux. Bah, il doit faire mieux. Même en équipe nationale, j'ai pas vu un match où on dit, ouais, c'est lui qui nous a fait gagner, comme les Naby Keita. Naby Keita, au début en sélection, à un certain moment au niveau des éliminatoires, en 2015, il fallait voir Naby Keita, comment il pétait la forme en équipe nationale. Il marquait des buts quand même qui sont extraordinaires. Il doit donner des victoires où la Guinée était en difficulté. Des joueurs comme Ibrahim Traoré, leur arrivée en sélection, il n'y a pas eu trop de bruit, mais écoutez, Ibrahim Traoré, lorsqu'il était venu en sélection, mais tout le monde avait vu. Donc, c'est à Ilex Moriba. Il a eu la chance d'être formé au Barça. Il a fait des mutations dans des clubs de référence. Aujourd'hui, deux fois homme du match, des tirs cadrés contre le Barça, on se tape la poitrine. C'est peu. On a vu des joueurs aussi comme, Bangoura, qui jouait en Espagne. Ismaël? Non, pas Ismaël Bangoura. Bangoura, dès qu'il avait le ballon, il était tellement rapide. Bangoura. Las Bangoura, l'attaquant de Rayo Vallecano. Las Bangoura, il a fait des bons matchs contre le Barça, le Real d'ailleurs. Le Real, il a été applaudi, mais au finish, vers la fin, il est out. Je pense qu'il faut qu'on soit rigoureux envers nos joueurs. C'est insuffisant pour être deux fois homme du match et puis on se tape la poitrine pour dire qu'il est en super forme. Il n'a qu'à marquer des buts. Il n'a qu'à être parmi les meilleurs joueurs de la saison. Il n'a qu'à être courtisé par des grands clubs. Et puis vers la fin, il reste constant. Moi, pour le moment, la saison, elle est longue. Hein, ça peut venir. Ça peut venir. Ses buts peuvent venir. C'est possible. Et même possible, avec le Sili, si on lui donne la chance, ça peut venir. Il suffit juste que Ilex Moriba se concentre. C'est un très bon footballeur, mais manque un peu de concentration. Il te fait deux matchs. Voilà, la troisième sortie, tu le vois sur le banc, il manque juste de constance, Dia l'a dit, voilà. Alors, on va partir avec vous, Apassi. Ben, la question pour vous trois, est-ce qu'il a une place dans cette équipe du Sili? Oui, bien sûr, il a sa place. C'est à lui de confirmer cela. Je crois que l'entraîneur qui est là, il est trop rigoureux, surtout sur des statistiques. En tout cas, il a convoqué, si vous me permettez de revenir là-dessus, il avait fait une liste où on ne sent pas un joueur qui n'a pas, en tout cas, deux ou trois matchs dans ses jambes. Et cette sélection en est une preuve de l'illustration. C'est Tabigo depuis qu'il est venu. Non, je vais parler de la sélection. Je vais parler de la sélection de Michel Dussier. Maintenant, si on revient que s'il aura sa place, c'est bel et bien, il aura sa place. C'est à lui de confirmer, parce qu'on a les éliminatoires de la Coupe du Monde. Je crois à ce qu'il est en train de faire. Jean parlait de ces sept constances. S'il parvient à maintenir cela d'ici en mars, il pourrait encore avoir tout possiblement sa place au sein de la sélection guinéenne. On ne peut pas l'occulter parce qu'il a choisi la Guinée, sinon qu'il avait tout le temps de choisir l'Espagne, comme pour dire que voilà, il avait toutes les qualités de jouer au Barça et puis jouer pour l'Espagne. Mais il a refusé ces offres-là et puis j'ai préféré la Guinée. Et à ce niveau, je crois qu'on doit l'accorder, comme d'autres chroniqueurs le disent, mais il faut lui dire qu'il doit être constant d'abord primordialement, constant de ce qu'il fait, constant dans son club, constant dans ses performances. Essayer d'engranger, pas que constant aussi, mais avoir certaines qualités rares, certaines qualités recherchées. Il a ses qualités la sélection. Là, et la sélection. Attention, il viendra au sein de la sélection où la concurrence est rude. Donc, il doit être constant et puis maintenir ses qualités. Parce qu'il deviendra l'oiseau rare de la sélection. Le problème à ce niveau, des sélections comme la Guinée, Ilex Moriba, il a sa place. Quand tu prends aujourd'hui notre l'ossature. On a vu combien de fois Cissé joue? Oui, mais écoutez, c'est un bon joueur techniquement, il est bon, mais sur le plan collectif, c'est pas des joueurs qui se font ressortir, franchement, des matchs en football collectif. On l'a vu ses dernières prestations en équipe nationale. Mais écoutez,
quand tu prends cette sélection guinéenne, je pense qu'Ilex Moriba, des sélections comme la Guinée, il a sa place. En résumé, oui, s'il maintient ses sélections pour la Guinée, ce qui veut dire dans d'autres sélections, il n'a pas sa place. Des sélections dépend, où hein. Des sélections où ça peut dépendre. Oui, la Tanzanie par exemple. Absolument. Il peut faire ça. Non, on peut pas se comparer. C'est des nations. Mais il faut prendre les nations. Des nations top top. Aujourd'hui, oui, mais des nations top top. La Côte d'Ivoire, au Mali, la Côte d'Ivoire par exemple. En talent intersecte, il n'a pas sa place. Moriba, c'est quand même costaud. Non, il n'a pas sa place. Pour ce qui est des nations top top, c'est pas du tout ça. Parce que, écoutez, vous savez, pour ce qui est de notre milieu de terrain, aujourd'hui, qui est le milieu de terrain qui joue dans les top 4, les 4 meilleurs championnats d'Europe? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, c'est lui qui joue dans l'un des clubs des meilleurs championnats, des 4 meilleurs championnats d'Europe. Non, il a joué la moitié des rencontres cette saison. Ouais. Sur les trois derniers matchs, il a été titulaire pendant ces rencontres-là. Ouais, donc, c'est ce qui montre qu'à travers quelques... Surtout quand même après la fenêtre, parce que ne vous laissez pas sans après, savoir. Non, vous moi, savez, j'ai commenté, vous savez, quand tu viens dans un club, il y a déjà des joueurs déjà établis. Il faut se faire ta place. Ils viennent d'arriver. Ouais. Donc, peut-être qu'il est en train de se faire sa place. On saura peut-être dans l'enchaînement des rencontres et tout. Mais bon, en termes du niveau du championnat, du niveau du club, aujourd'hui, il mériterait sa place en équipe nationale. Maintenant, vous savez, la discrétion du coach, ça dépend parfois pour la plupart de la discrétion du coach. Il peut prendre un joueur pour une raison et ne pas prendre un joueur plutôt pour une autre raison. Et pour Moriba, aujourd'hui, je peux l'affirmer et je suis certain qu'il n'est pas appelé aujourd'hui pour des raisons sportives. Non, écoutez, si c'est pour des raisons sportives, aujourd'hui, il devrait être en sélection. Maintenant, s'il y a d'autres raisons que l'entraîneur peut invoquer, on peut naturellement être d'accord avec lui. Il fallait qu'on en parle. Vous êtes d'accord avec Dion? Non, moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Vous savez, c'est des joueurs, Ilex Moriba, c'est un bon joueur. Mais on a besoin d'un joueur, on juge un joueur en fonction de son bilan, de ses performances, de ses passages dans des clubs. Aujourd'hui, on parle de lui, c'est parce qu'il a fait deux matchs, homme du match, mais c'est insuffisant pour un joueur comme Moriba. On doit attention, c'est le championnat espagnol. Parmi nos milieux de terrain, qui fait mieux? Non, je vous ai dit, une équipe comme la Guinée, le comble signifie beaucoup de choses, il a sa place. Mais des équipes de qualité. Mais pourquoi il n'est pas là? C'est ça la bonne question. Non, on n'est pas à ce niveau. Je pense que le débat n'est pas à ce niveau. Avant même ça, Ilex Moriba, il a joué toute une CAN. Hein. Ouais. Il a joué deux CAN. Mais où? Après la CAN, les top meilleurs de cette compétition, même sur l'équipe type, il n'y figurait pas. C'était le joueur, plus mauvais de la compétition. Le joueur, vous savez, en Guinée, c'est que les gens n'ont pas compris. Le joueur, c'est les stats. Le joueur, c'est les résultats. Tu peux être bon individuellement, mais tu as marqué combien de buts? Combien de formes du match? Combien de fois meilleur joueur de la saison? C'est le plus important aujourd'hui. Tu peux me citer deux, trois milieux de terrain guinéens qui le dépassent en ce moment, à ce niveau? Non, je sais. Non, il n'y en a pas. Écoutez-moi. Je sais pas si tu m'as compris. J'ai dit des équipes comme la Guinée, il a sa place. Mais donc pourquoi il n'est pas là? On va s'en foutre dedans, c'est pas à vous de poser les questions. Pourquoi il n'est pas là? Je pense que là, c'est à l'entraîneur. On n'est pas à la place de Michel Doucier. Je sais qu'il est bon, mais son absence aussi n'a jamais influencé une équipe comme la Guinée. L'absence d'Ilex Moriba nous a jamais influencé. Ilex Moriba nous a jamais fait sortir un match XXL où il nous a donné des victoires quand même, où tout le monde parle de lui, il a été à la une. Ilex Moriba, quand il a le ballon 15 à 2 minutes, il peut te déclencher la situation. Tu vois en lui, il est talentueux. Mais son problème, c'est quoi? On n'est pas rigoureux envers nos joueurs, ça c'est non. Deuxièmement, aujourd'hui, je ne sais pas quel est son objectif. Il ne s'agit pas de faire deux ou trois dribbles de quelques tirs cadrés. On dit que tu es bon. C'est le bilan. Il n'a pas d'objectif. C'est à lui de se remettre en cause. C'est trop dit. Regardez, c'est à lui de se remettre en cause. Aujourd'hui, après, il a ses passages dans les clubs où il a laissé ses empreintes réellement en matière de stats. Il n'y en a pas en équipe nationale. Il a joué toute une CAN. Combien de buts? Combien de tirs cadrés? Il n'y en a pas. Des fois, tu le vois, il te fait un match. 15 minutes, 20 minutes, tu vois un grand Ilex Moriba. Le second match, il trébuche. C'est un joueur très talentueux, mais il faut qu'on soit rigoureux envers lui. En équipe nationale, on n'est pas rigoureux. Je prends un exemple aujourd'hui. Morlaissi, là, c'est un joueur que moi, j'ai beaucoup apprécié, mais ces derniers temps, il ne nous donne pas satisfaction. C'est pas du tout bon. Tu prends comme Agibou. Agibou, depuis qu'il est sorti de sa blessure, tu le vois en équipe nationale, on n'en parle même pas. Madi Camara nous a fait deux matchs. Troisième match, ça ne nous donnait pas satisfaction. Seydouba Cissé, c'est pas mal, il se démarquait, mais les grands matchs, il est limité aussi. C'est ça le véritable problème. Est-ce qu'il faut protéger Moriba ou il faut le descendre? Parce que ça, c'est à lui de faire. C'est à lui. Il faut le protéger ou le descendre. On a vu le cas de Kylian Mbappé. Il a eu sa chance. Qui est protégé par les médias espagnols, les médias français. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit le protéger, lui donner une chance?
Amoriba. Si c'est en sélection, je crois qu'on doit le protéger parce qu'il en est l'un des oiseaux rares de la sélection. Non, le protéger, comment? Moi, c'est le mot protéger, maintenant, je ne suis pas d'accord. Maintenant, en club, maintenant, en club, pourquoi j'ai dit de le protéger en équipe nationale? Parce qu'aujourd'hui, il a cette affection, ce fibre patriotique qu'il rime. Non, là, vous parlez de sentiment. Oui, il n'est pas patriote par rapport à avant tout, on joue pour un pays d'abord pour sentiment. Girassi a laissé des nations. Il est venu en dire. Parce qu'il a cette affection au sein de pour son pays, la Guinée, son pays d'adaptation. Sinon, que si on prend en termes de. Il ne peut pas aussi être aussi trop orthodoxe jusqu'à ce niveau. Je crois qu'il se réjouit de ses valeurs. Il accepte de se conformiter. Et cette conformité-là, rationnellement... C'est trop compliqué aujourd'hui. Non, pas que compliqué. Non, pas que compliqué, mais nous devons le protéger. Nous devons le protéger dans ce sens-là, pour dire qu'il a choisi la Guinée. Maintenant, en club, c'est à lui de confirmer, c'est à lui de confirmer ce niveau, un niveau qui pourrait le mettre encore en confiance en équipe nationale. Parce que s'il fait 2-3 matchs et puis il passe à côté, je crois que ça ne pourra pas le permettre davantage d'être sur une même ligne que les gens, les supporters ou le sélectionneur l'attendent en sélection guinéenne. Alors, la même question, est-ce qu'il faut le protéger en Idex Moriba? Parce que c'est quand même ni l'un ni l'autre. Pour moi, on doit juste le juger et le protéger au même niveau que les autres joueurs guinéens. Parce que vous savez, choisir une sélection, c'est de choisir. Il y a des risques, il y a aussi des avantages. C'est vrai que lui, il a opté pour la sélection à un moment où il était courtisé. Il était très jeune, il avait le temps d'attendre, contrairement à d'autres joueurs. C'est pourquoi j'ai tout de suite bloqué Major lorsqu'il a évoqué le cas de Guirassy. Guirassy s'approche de la trentaine. Ablaye Touré est déjà trentenaire. Ce n'est pas le même cas. Maintenant, n'est pas le surexposé, non plus n'est pas le surprotégé. Il faut être juste avec lui, de la même manière que nous protégeons les autres joueurs guinéens à l'étranger, protégeons Moriba de la même manière. S'il faut critiquer à un moment donné, il faut le critiquer de la même manière. Il ne faut pas le mettre sur une part. Amadou, vous n'êtes pas d'accord? Moi, il y a une question dont je me pose. Ilex Moriba, où il est né? C'est en Guinée, je pense. Hein. Il a fait un moment en Guinée, si je ne me trompe pas. Ouais. Voilà. C'est où Guirassy, où il est né? C'est en France. Il est né en Europe. Alors, voilà. Voilà, c'est pas pareil. Il a eu le temps ici, après il est parti. Il est venu en sélection. Alors, Ilex Moriba, il a été quand même le joueur qui a été accueilli d'une manière. Personne n'a été accueilli comme ça, même Guirassy. Hein. Au stade, je me rappelle, au stade du 28 septembre, les gens sont partis. Le surcroît, on lui donne le numéro 10. Il a le temps de jeu. Il a eu tellement de temps de jeu. Ah, mais il avait l'opportunité de jouer pour l'Espagne aussi. Ça, il faut comprendre. Mais abandonner la meilleure équipe en ce moment du monde et venir jouer pour une sélection guinéenne, il faut l'applaudir. En ce moment, en Espagne, tu savais, les milieux de terrain en Espagne, en ce moment, c'était fou. Oui, mais c'était aussi il avait sa chance. Il avait sa chance. C'était un gamin. Du moment où tu joues au Barça, tu as ta chance avec l'Espagne. Pas forcément. Le titulaire au Barça est toujours titulaire en Espagne. Mais pas forcément. Aujourd'hui, les titulaires du Barça sont titulaires en Espagne. Il faut le prouver. Au Barça, il a bien débuté. Ensuite, il était quoi? Vous savez, le problème, c'est quoi? Il ne s'agit pas de jouer au Barça ou au Real. C'est justement ça. Restez avec nous, c'est du gâchis. Restez avec nous parce que je sens que vous êtes en train de partir. Je suis avec vous. Alex Moriba, c'est un bon joueur. Il sait jouer. Mais son problème, il ne peut pas se lamenter pour l'équipe nationale. Il a eu trop de temps de jeu, mais qu'est-ce qu'il nous a rapporté au finish? Absolument rien. En club, il fait 2 matchs MVP, on se tape la poitrine, on parle de lui, il a fait un bon match contre le Barça. C'est insuffisant. C'est comme ça, beaucoup de joueurs nous ont bernés ici au finish, ils sont passés à côté. J'ai pris l'exemple sur Las Pangua. Las Pangua, il te fait des bons matchs contre le Barça, contre le Real. Lui, au moins, en équipe nationale, il nous a fait sortir en difficulté dans des matchs où la Guinée était en difficulté. Mais donnez-moi un match où vraiment, Ilex Moriba s'est démarqué lors d'une compétition. Attendons d'abord, pour le cas d'Ilex Moriba, attendons la fin de la saison. On va faire son bilan en club. Après, on verra. Est-ce qu'il va être courtisé par des grands clubs ou pas? On ne le sait pas. Moi, quand même, ce qui reste clair, Ilex Moriba, c'est un très bon joueur. Je l'apprécie beaucoup. Mais je veux qu'il se concentre. Quand il se concentre, il peut faire mieux en Afrique. Alors, comme vous avez vu, on va marquer une courte pause avant de parler de Issa Asila et de Montpellier. On espère que Ilex Moriba va garder cette forme, qu'il va continuer à être MVP, qu'il va revenir en forme avec le Sili National Guinée. On revient derrière. We'll be right back.
De retour sur le plateau des Lumières, on va rester avec les Guinéens d'ailleurs. Montpellier a reçu Lille ce dimanche au stade de la Bosson à l'occasion de la 13e journée de Ligue 1 française. Les deux équipes se sont quittées à égalité de 2. Ici, Asila s'est montré décisif dans cette rencontre avec un but. On va parler de ce Ici, Asila avec des rebondissements dans sa carrière. Tantôt, il est en forme, tantôt, il est blessé. Mais c'est tout de même l'un des joueurs les plus constants du Sili National de Guinée à Mouadou. Oui, constant en équipe nationale. Franchement, on a vu des matchs où on est en difficulté. Il nous a quand même délivré. Il a marqué. Moi, je me rappelle lors d'une Coupe d'Afrique des Nations, l'unique but guinéen a été marqué par Issy Aga Sylla. Et tout dernièrement, le véritable bémol de Issy Aga Sylla, c'était ses centres. Mais vous avez vu les derniers matchs de la Guinée, ouais. Il nous a débloqué deux ou trois centres. Il a deux fois trouvé ici, voilà. Et Serou Guirassy. Serou Guirassy. Ah, sur le deuxième but, c'était magnifique. C'était magnifique. Quand même, il travaille très bien. Un joueur, le joueur guinéen le plus engagé. Si tout le monde était engagé comme Issy Aga Sylla, franchement, on est redire amené beaucoup de camps. Je peux prendre l'exemple sur deux joueurs. Trois joueurs même. Tu prends aujourd'hui Marlaï Sylla, tu prends Seydou Ba Cissé. Tu prends Ilex Moriba, si ces joueurs étaient engagés, motivés comme Issy Aga Sylla, franchement, ils pourraient beaucoup apporter pour l'équipe nationale. Certes, techniquement, il n'est pas bon, il est conscient de cela, mais je vous dis, sur le plan tactique, sur le plan mental et d'engagement, sur le plan du patriotisme, ce joueur, depuis qu'il a quitté Oréa, il a été capitaine de Oréa ici, il quitte le Oréa, il signe un contrat professionnel avec cette formation toulousaine, le TFC. Mm-hmm. Difficilement même, il est parti parce que le président Antonio Soare avait quand même valorisé ce joueur. C'est rare de voir un joueur guinéen qui quitte directement en première division, il part, il signe un contrat pro, mais depuis qu'il est parti en Europe, franchement, il est constant. Par des tests. Par des tests, voilà. En équipe nationale, on n'en parle même pas. Certes, il avait des lacunes, mais il a profité, il a pu saisir des opportunités qu'il a eues dans le football. Quand on dit souvent, il s'est assis là, il ne sent pas très bien les ballons, il est lent défensivement, mais ce joueur-là, il est tout de même costaud, il marque des buts, il défend aussi très bien, que ce soit avec Montpellier et d'ici, en Guinée. Oui, écoutez, Issy Aga Sylla, ce n'est pas Roberto Carlos ni Marcelo, mais pour ce qui est de son talent, et il se maintient, et c'est l'un des joueurs guinéens qui se maintient le plus sur les 10 dernières années. Quand je dis se maintenir, je ne parle pas de jouer la Champions League toutes les saisons. C'est d'être dans son club et de jouer titulaire à chaque fois qu'il n'est pas blessé. Ça, à ce niveau, on peut tirer chapeau pour... Et ce qui est intéressant, quand il se blesse, il revient. Il revient, il reprend sa place. Il reprend sa place. Que ce soit avec Toulouse ou avec Montpellier en ce moment. Il faut rappeler que ce but-là est très important parce que Montpellier est dernier du classement en ce moment. Ils avaient besoin au moins de ce point-là pour se lancer. Après des revers de 3-4-0 qu'ils ont encaissé avant. Alors, comment dire ça? Sylla, c'est un défenseur. C'est un latéral plutôt offensif que défensif. Voilà pourquoi quand on dit qu'il est friable en défense, j'ai envie de dire, vous ne connaissez pas Issy Aga. Il est plutôt performant quand il est à l'offensif et qu'on sait bien le couvrir et quand il doit défendre. Il est d'ailleurs mieux à l'offensif que... Au niveau de la défense. Les grands latéraux sont toujours comme ça et Marcelo est friable défensivement. Donc, on ne peut pas être à 100% bon dans les deux domaines. Mais pour ce qui est d'Issy Aga, les autres joueurs, surtout les jeunes joueurs du Sili, devraient s'inspirer de lui. Il n'a pas un talent immense, mais pour ce qui est de son talent, il se maintient à un niveau et durant des années, il est à ce même niveau, il continue à performer et à être important pour son club. Ça, c'est louable et ça devrait inspirer les autres jeunes joueurs guinéens. Et c'est qu'on le reprochait, il ne centrait pas très bien le ballon, il le réussit très bien. Et il se comprend très bien d'ailleurs avec Serou Guirassy, deux centres, deux buts pour Serou Guirassy, deux passes décisives pour Issy Aga Sylla. C'est quand même monstrueux ce qu'il est en train de réussir. C'est quand même monstrueux, c'est ce qu'on appelle un joueur professionnel si on te pose des... Attention. On te fait des... Attention. Si on te fait des suggestions... Ah, pas ces flèches-là tout de même. Non, pas ces flèches. Il parle de personne. Lui, ce n'est pas des sorties médiatiques. Hein. Il le prouve. Voilà. Quand on le fait des suggestions, tes centres ne passent pas et puis tu ne fais pas la lobe. Il se met au travail. Il se met au travail. Et aujourd'hui, il est en train de mettre tout le monde d'accord que oui, il a travaillé ses systèmes, il a travaillé cet engagement et puis ça paye positivement. La preuve en est, vous êtes en train de le dire. Je crois en club, c'est vrai, Jean parlait de quelque chose qui est très très important. Et on parle moins de lui, on parle peu de Issy Aga Sylla, mais Issy Aga, il est décisif dans toutes les rencontres de son club, de Toulouse jusqu'à maintenant. Dans toutes les rencontres, à moins qu'il est blessé et il est jugé, en tout cas par les entraîneurs ou par son staff, par ses coéquipiers, en tout cas de très proche,
il est apprécié par tout le monde. Et au jour d'aujourd'hui, très calme, pas très de calme. Sorte, ouais. La sagesse. Ouais. On dit, vous savez, on dit souvent que la sagesse, que la sagesse, il met sur personne. On dit très souvent que la sagesse est une recherche. Et aujourd'hui, il en a. Il a cette richesse-là en termes de qualité, en termes de carrière. Il est aujourd'hui l'un des meilleurs joueurs, l'un des meilleurs joueurs de la sélection guinéenne. Ouais. Il est en train de prouver aussi à l'extérieur, dans son club. Ouais. Et le joueur le plus sélectionné qui a plus près de 50 sélections en équipe nationale et qui a aujourd'hui le brassard. Ouais. Je crois que cette responsabilité l'interpelle sur tous les terrains de jeu, sur tous les rectangles verts, à se montrer et à se dépouiller sur le terrain. Alors Amadou, qu'est-ce qui explique cette longévité justement de Sylan Club et surtout dans l'équipe du Sili, parce qu'il y a des jeunes qui ont failli chipper sa place, surtout en Coupe d'Afrique des Nations. Oui, c'est une question de volonté, c'est une question de passion. Vous savez, les joueurs diffèrent. Il y a ces joueurs qui sont talentueux. J'ai énuméré quelques joueurs dans l'équipe nationale guinéenne qui sont des joueurs qui sont quand même talentueux. Mais ici, Agassila, il connaît, techniquement, il n'est pas bon. S'il n'est pas engagé, il ne peut pas jouer le football. Et c'est son métier, c'est ce qu'il a choisi. Ah, mais c'est pas tout de même un Gattuso hein, qui n'est pas techniquement bon, mais qui est super engagé. Ouais, non, il connaît ses limites. Il connaît ses qualités, il connaît ses limites. Exactement. Il est conscient de cela. Ça, c'est très important. Ici, Agassila n'est pas un joueur comme Marcelo, qui est capable de dribbler deux ou trois joueurs, s'infiltrer dans une défense, voilà, et créer la différence. Ouais. Il arrive à les faire, mais ce n'est pas souvent. Ce n'est pas constant. Alors, ce n'est pas quand même constant. Il est conscient, il connaît ses atouts. Donc, il faut qu'il soit engagé. C'est le seul métier qu'il pratique, c'est le football. Et le football moderne, tu n'es pas technique, il faut être engagé, être constant, être franchement dans les duels, de ne pas s'amuser. Il est très rigoureux sur lui-même. Quand tu vois jouer, franchement, tu ne peux pas laisser ces joueurs sur le banc de touche. Aujourd'hui, le football moderne, on a besoin de plus des joueurs qui sont engagés par rapport au jeu technique. Le football moderne, aujourd'hui, il y a trop de contacts physiques. Il faut être engagé. Il faut jouer 100 à l'heure dans le match. Il faut avoir assez d'intensité et assez volume de jeu. Si tu n'as pas de volume de jeu aujourd'hui, tu ne peux pas pratiquer le football. Je prends un joueur comme Seydou Bassissé. C'est un très bon joueur. Mais il a quelques aspects à revoir. C'est un joueur aussi constant. Très bon. Du Sili, Seydou Bassissé. En équipe nationale titulaire dans son club. Il est très bon. Techniquement, il est bon. C'est Léganès, je crois. C'est Léganès. Il est très bon. Mais son problème. Il est un des grands titulaires de Léganès. Incontestable. Mais s'il arrive à travailler sur quelques aspects, il peut faire mieux. Il marche trop sur le terrain. Il ne fait pas de relance. Il ne débloque pas la situation. Mais les espaces, quand même, il te tue. Rapidement, voilà. Donc, je pense que juste ce joueur, quand même, le fait qu'il est engagé aujourd'hui, voilà, il a sa place, il a fait ses preuves. Il arrête aujourd'hui le football. Il n'a rien, quand même, à se. Alors, Jean, qu'est-ce qui explique cette longévité pour vous? Moi, je dirais que c'est le travail. C'est le travail et le travail. Je vais paraphraser ce que Koundé disait récemment. Il dit que lui, en venant au centre de formation, il savait que pratiquement tous les enfants étaient plus talentueux que lui. Le seul moyen pour lui de pouvoir continuer à pratiquer ce qu'il aime, c'était de travailler deux fois plus que les autres. Et c'est certainement ce que Isaga a compris. Et il travaille. On a tous pris des exemples des joueurs moins doués, mais qui ont réussi à faire des carrières, disons, acceptables. Et il s'inscrit dans ce cadre-là. Il ne joue pas dans des top clubs, mais le niveau auquel il joue, et ça depuis des années, il se maintient à ce niveau et ça ne peut se faire qu'à travers le travail. Mais, même question pour vous, avant de clôturer. C'est le travail. Le travail paye. Le travail l'envoie loin. Le travail va toujours le confirmer en sélection tout comme en club. Je crois qu'il a fait combien de clubs depuis qu'il est rentré en Europe? 3 ou 4 clubs, je crois. Deux clubs. Toulouse, Lens et Montpellier, je crois 3. Oui, il a fait Lens. Je crois qu'il a été prêté à un moment et puis Lens l'a retourné encore à Toulouse. Et à ce niveau, c'est le travail qui le confirme à tout moment et être fidèle à ses engagements. Et puis, il pourra être encore plus mûr. On souhaite une bonne chance à notre compatriote ici à Sila, qui est monstrueux avec son club, qui est monstrueux avec le Sili National de Guinée. On va tourner la page, on va marquer une courte pause. Après, on va revenir derrière, on va filer en Angleterre, parler du choc des titans entre Liverpool et, bien sûr, Manchester City. De retour sur ce plateau, je vous avais dit qu'on allait parler du choc des titans entre Liverpool et Manchester City. Une victoire 2-0 incontestable avec 18 tirs contre
8 et même 3,35 d'expected goals contre 0,82. Le choc de la 13e journée de Premier League entre Liverpool et Manchester City dimanche après-midi en file a tourné en faveur de la formation d'Arslo, leader du championnat anglais. Les Reds maintiennent leurs avance de 9 points sur Arsenal et Chelsea et là on voit même les Citizens à 11 longueurs, un affront terrible pour le champion d'Angleterre en titre dirigé par Pep Guardiola. La première question d'entre Dieu, Jean, est-ce que le titre est joué? Non, le titre n'est pas joué, mais pour ce qui est de City, je crois que ils ont perdu le titre hier. Maintenant, pour ces, il y a d'autres clubs qui se maintiennent, notamment Chelsea et puis Arsenal. Mais pour ce qui est de City, ça va être très difficile de revenir en étant déjà à 11 points derrière, sachant que le Boxing Day vient, sachant qu'ils sont tous en Ligue des Champions, sachant qu'ils n'ont pas récupéré tous les blessés et que le principal ou le joueur qui agrémentait tout cela ne reviendra que la saison prochaine. Ça sera très difficile pour City, en tout cas pour le championnat cette saison. On a regardé un match extraordinaire entre Liverpool et Manchester City, Amadou. On peut se poser la question, qui peut arrêter Liverpool? Parce que après ce qu'ils ont infligé au Real Madrid, ils réussissent derrière à infliger quelque chose d'ailleurs à cette équipe de Manchester City. Ouais, ils ont des joueurs quand même qui bougent en vitesse, surtout la ligne offensive. Tu prends des joueurs comme Mohamed Salah, les Darwin Núñez, même si c'est un deuxième... Ah, Núñez a joué en deuxième période. Ouais, voilà pourquoi c'est compliqué pour des équipes d'attaquer cette équipe de Liverpool. Gakpo a joué titulaire, tout de même. Il a joué titulaire. Tu prends des attaquants quand même qui très très performants, qui partent très vite, surtout offensivement, ils se projettent rapidement. Maintenant, contrairement à cette formation citizen qui était venue avec l'entraîneur Pep Guardiola, qui veut renouveler le système de jeu, conserver le ballon, de ne pas se presser, système de la Masia, voilà. Au début, ça marchait, mais écoutez, on est en Europe, ce sont des grands championnats. Les entraîneurs, eux aussi, après deux ou trois saisons, ils vont chercher à étudier les grands clubs. Il faut les étudier. Moi, je pense que c'est comme s'ils ont compris aujourd'hui le système de Pep Guardiola. Ils l'ont compris. Lors de cette rencontre, j'ai constaté quelque chose. Liverpool, dès que les joueurs de City ils ont le ballon, ils se regroupent, ils cherchent à réduire les espaces. Ils ont compris. Ce sont des joueurs qui cherchent ces genres d'intervalle, conserver le ballon, mais ils ont joué en surnom. Dès que le ballon monte, tout le monde monte en un cran. On remplit, ils n'ont pas respecté les postes de prédilection. Mmh. Et puis, le système là a beaucoup marché. Ils se sont regroupés autour du ballon avec le porteur de balle. Et Man City, ils n'ont pas eu quand même des opportunités comme à perforer cette défense. Et puis, Liverpool, vous savez leur système, c'est quoi? Ce sont les relances. Ça part très, c'était très vite. Difficile hein, pour cette équipe de Manchester City qui n'arrivait pas à s'approcher de cette surface de Liverpool, qui était costaud. Oui. Que ce soit le milieu terrain et cette défense de Liverpool, rien ne passait. Oui, mais ça partait pas vite. Déjà, City conservait le ballon, ils voulaient tellement faire les choses, il faut étudier, il faut analyser avec Liverpool, ça ne peut pas marcher. C'est qu'ils ont compris, ils sont restés en bloc. Mais d'habitude, quand ils jouaient contre City, tout le monde a envie de montrer avec City qu'on joue bien le football. Avec City, tu ne sors pas, tu restes, tu joues avec un bloc bas. Dès qu'il a le ballon, tu te projettes au niveau des relances. C'est ce qu'ils ont fait. Vous avez vu le pénalty qu'ils ont accordé, même si c'était discutable. Mais regardez l'action et l'intention. Oh, attention, il y avait contact sur le joueur. Oui, en tout cas, c'est discutable. C'est là, ils sont, je crois. Ouais, c'est là où la donne a changé avec la vitesse de Mohamed Salah au niveau des couloirs. Donc, franchement, moi, je me dis, Pep Guardiola, il est verrouillé. Est-ce que pour City, le titre, il est enterré? Bon, vous savez, en Angleterre, comme on dit, Dieu ne joue pas au dé. Donc, à ce niveau, c'est un peu compliqué de juger le championnat anglais. Ils ont toujours une chance. Voilà. Ils ont toujours une chance. Ils peuvent quand même se retrouver. Mais en voyant dans l'allure de Liverpool, c'est compliqué. Liverpool, hein. C'est compliqué cette saison d'arrêter Liverpool. Très compliqué. Très compliqué. Alors, je me tourne vers vous, Passy. Tout de même, qui peut arrêter Liverpool pour vous cette saison? Bon, pour le moment, sur cette lancée, ce serait très compliqué pour les rivales, ce qu'il faut dire. Mais Liverpool, rival, c'est tout de même Chelsea, oui, Arsenal et Chelsea. Manchester City. Mais pour ça le va moment, être compliqué de jouer à jeu égal contre cette équipe Liverpool. Il y a un petit écart, mais est-ce que Liverpool est en train de poser? Ça fait peur, oui, ça a déjà averti les adversaires dans cette course au titre. Pour le moment, je crois que l'effectif est bien loti. Quand vous avez un certain Mo Salah, quand vous avez un certain Luis Diaz, et quand vous avez un certain Cody Gakpo, mais athlétiquement, vous pouvez imposer quoi que ce soit à ses adversaires de ce championnat de Premier League. Et la preuve en est, ils ont joué avec le champion en titre et ils l'ont fait mal, ils l'ont enterré, ils l'ont crucifié également dans cette rencontre.
sur toutes les actions, même si à un moment City cherchait à imposer son football, son jeu traditionnel qu'il a l'habitude de le faire, et en tout cas de manière possible dans cette compétition. Mais avec Liverpool, ça a été du pain sur la planche. Ils n'ont pas pu s'en sortir, et puis Liverpool a essayé de balancer sur un côté de la rencontre, et puis voilà, ils ont dominé en matière de score, mais aussi en matière de statistiques, parce que si vous prenez en termes de corner, en termes de faute, en termes de possession, c'est là que ça balançait un tout petit peu. Mais vous allez dire que Liverpool aujourd'hui, ils sont inarrêtables également pour cette course au titre. Attendons de voir ce que Arsenal viendra dire et ce que Chelsea viendra dire. Ça va être compliqué. Alors John, quand même, quand on a Bernardo Silva, quand on a Erling Haaland, Phil Foden, quand on a De Bruyne, on doit faire mieux. Oui, on doit faire mieux, surtout s'ils sont en forme. Et voilà pourquoi moi je ne comprends pas la déliquescence de cette équipe de City. Parce qu'à vrai dire, le véritable absent qui était indiscutable, c'est un seul homme, c'est Rodri. Et tous les restes sont là. C'est vrai que Bernardo n'est pas au mieux de sa forme. Kevin De Bruyne revient de blessure. Mais City devrait faire mieux, devrait faire mieux. Et voilà ce qui est plus grave, John, en 79 minutes, personne d'entre eux n'a tiré le ballon vers la surface de Liverpool. C'est compliqué tout ça. C'était une équipe de City qui a désarmé. C'est-à-dire qui était là juste pour peut-être figurer dans la rencontre et n'essayait pas d'apporter du danger. Le danger est venu au moment où, où le jeune Brésilien sont rentrés. Et ceux qui ont commencé à envoyer du danger dans le camp de Liverpool. Mais encore une fois, c'est une équipe de City méconnaissable. On n'arrive pas à reconnaître même les joueurs qui avaient du talent, du potentiel. Gaz en défense est méconnaissable. Gundogan, toutes ses passes, c'est vers l'arrière, et Bernardo ne pèse pas du tout au niveau de son équipe. Et ce qui est le plus inquiétant peut-être, c'est Haaland. Haaland avait l'habitude de peser sur une défense, même si City ne gagnait pas, il pesait sur la défense. Mais hier, on n'a pas senti Haaland. Il était cadenassé par la défense de Liverpool. Donc c'est très inquiétant pour City et Guardiola. Je crois qu'ils doivent très rapidement se remettre la tête à l'endroit pour espérer d'abord revenir dans le top 4 parce qu'ils sont cinquième aujourd'hui, et ensuite essayer peut-être de ramener un semblant de concurrence, parce que encore une fois aujourd'hui Liverpool les a largués. Alors rapidement avec vous, Amadou, est-ce qu'on peut dire que Pep Guardiola, ok, c'est bon, tu as fait ce qui est plus dur, tu as remporté une Ligue des Champions, tu as été plusieurs fois champion d'Angleterre, il faut partir, laisser la place à du 109 comme l'a fait Jürgen Klopp avec Liverpool? Ouais, si c'était moi, Pep Guardiola, après cette saison, soit champion ou pas, je cède la place, parce que écoutez, on rappelle qu'il a renouvelé il y a juste une semaine. Si c'était moi, Pep Guardiola, je cède, hein, parce que vous avez vu l'allure où les choses sont en train d'avancer. Même si c'était pas ça, si j'étais champion en Angleterre, je préfère céder. Il faut sortir par la grande porte. Vous savez, aujourd'hui, le football s'est complètement relooké. Ce n'est plus comme avant où Lyon pouvait enchaîner, voilà, 5 ou 6 titres. La donne a complètement changé. Il y a des entraîneurs professionnels. Il y a des supervisions en matière de vidéo. Ils vont étudier. Il y a des expertises quand même qui sont en train d'avancer sur le plan technologique aujourd'hui dans le football. Il y a des experts en dribble. Il y a des experts en phase de finition, il y a des experts en passe. Avec l'utilité schéma. Voilà, vous avez dit sur le schéma tactique, c'est à lui de voir s'il peut relooker son système de jeu. Mais pour le moment, quand tu vois City jouer, on ne sent pas ce City. On ne sent plus le club. Ils ont perdu complètement leur ADN. Ils ont perdu leur repère. C'est comme si l'équipe adverse, déjà, ils ont eu leur mot de passe. C'est comme s'ils n'avaient pas envie. Bah, non, ils ont envie de jouer. Vous savez, c'est ce que je vous ai dit. L'adversaire a déjà eu le mot de passe du club. Le système, il faut conserver le jeu, il ne faut pas se presser, il faut priver le ballon à l'adversaire, il ne faut pas se presser, il faut utiliser les petits espaces. Mais hier, vous avez vu Liverpool, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont joué en bloc. Dès que l'adversaire a le ballon, même l'attaquant revient au niveau de la défense, parce qu'ils ont compris le système. Et les autres adversaires sont en train de suivre comme ça. City, 2 ou 3 ans, tu ne changes pas ton système de jeu, tu passes à côté. Il y a un entraîneur que moi j'ai beaucoup apprécié, c'est Frank Rijkaard, lorsqu'il était dans cette formation des Blaugrana. Vous avez vu la permutation des joueurs entre Eto'o, Messi et Ronaldo. Attention, il a aussi passé des moments difficiles avec le Barça. Au début et à la fin, il a passé des moments difficiles. Mais à un certain moment où quand même il était en super forme, il écrasait tout le monde. Tu avais quand même en ce moment... La même chose avec Pep Guardiola avec le Barça en 2009. Oui, la différence... Il avait la meilleure équipe de presque tous les temps. La différence est qu'à chaque match, il peut changer son système de jeu. Tu revois aujourd'hui Ronaldinho au milieu de terrain. Le prochain match, tu le vois au niveau des côtés. Tu vois Eto'o pointe. En tout cas, il avait des joueurs qui étaient capables de jouer plusieurs rôles.
c'est tout à fait différent avec cette formation Citizen. À force de reposer son jeu sur un seul joueur ou deux joueurs, et puis ça ne marche pas. Moi, je pense que déjà à ce niveau, il va traverser des moments difficiles. C'est ça le football, ça arrive. Hein. C'est pas lui seulement, on a vu le Real, on a vu le Barça, on a vu des grands entraîneurs qui sont passés à côté. Il faut que les Citizens arrivent à accepter ces moments durs. Moi, je pense qu'il va se retrouver. Alors, nous allons filer en Espagne, on va parler du Barça, on va aussi parler du Real, mais on va marquer une courte pause pour revenir derrière parler de ces deux grands clubs. On va commencer par le leader espagnol. On peut appeler cela un cadeau empoisonné pour le FC Barcelone, alors que l'institution de la Catalogne fête ce week-end les 125 ans de sa création. L'équipe s'est bien loupée. Samedi, à domicile, les joueurs d'Antiflic ont été battus par Las Palmas, débutant 17e de Liga avant la rencontre. La formation des îles Canaries ne s'était plus imposée contre les Blaugrana depuis près de 40 ans. À février 1986, ça remonte de loin. Et en terre catalane, bien sûr, depuis le 19 septembre 1971. On va commencer avec vous, John. Le Barça est en train d'enchaîner les mauvais résultats. Oui, les mauvaises performances s'enchaînent. Il faut dire que le mois de novembre était un mois sombre pour le Barça en championnat. Ils ont enregistré pratiquement trois résultats négatifs, notamment deux défaites et un nul. Dans ce mois-ci, il faut noter bien évidemment qu'il y a eu la trêve entre-temps. Mais le Barça n'a pas la même intensité que depuis le début de la saison. Et vous savez, quand vous avez un système... On note le retour de Yamal. Hein, oui, Yamal est revenu, mais bon, il est revenu pour les dernières minutes de la rencontre. Ce n'est pas la même chose que quand il débute, parce que toutes les rencontres qu'il a débutées cette saison, le Barça les a remportées. Malheureusement, toutes les rencontres auxquelles il n'a pas participé ou il est rentré en seconde période, le Barça les a perdues. Mais pour moi, le problème n'est pas seulement à ce niveau. Il y a aussi un problème. Le Barça doit digérer le début de saison, la préparation physique. Ils n'ont pas l'habitude d'avoir une telle intensité en début de saison. Il faut d'abord digérer cette préparation, accepter le fait... Ce statut-là, le statut de leader, parce que le Barça de la saison dernière était plus ou moins déliquescent, il faut accepter, digérer tout cela et continuer à refaire les mêmes efforts, parce que ces défaites ou ces matchs nuls, quand tu vois les rencontres, tu vois que le Barça n'a pas la même intensité que les autres rencontres, donc il faudrait qu'ils encaissent tout cela et qu'ils remettent la même intensité pour recommencer à gagner. Et Flick doit apprendre à connaître le championnat un peu plus, parce que pour certaines défaites aussi, certains de ses choix sont à questionner. Ah, Flick était loué hein, avant ces mauvais résultats-là. Avant ces mauvais résultats, il était loué. Mais bon, vous savez, c'est l'injustice du football. Quand l'équipe gagne, le plus souvent on dit les joueurs sont bons, mais quand l'équipe perd, il arrive que les gens disent que c'est le coach. Mais bon, c'est à lui de décider. Il faut dire que certains de ses choix sont à questionner pour ses dernières rencontres, notamment dans son 11 et ensuite pour ses remplacements. Et parfois, il arrive aussi qu'on sent qu'il n'est pas habitué à ce championnat. Il y a ces clubs que on ne peut pas minimiser. Et c'est que dans ces clubs, Celta Vigo fait partie, Real Sociedad fait partie. Et pour ce qui est de Las Palmas, c'était un accident de parcours. Mais pour ces deux rencontres-là, il fallait mieux se préparer pour gagner. Des mauvais résultats, bien sûr, qui s'enchaînent. Amadou, il y a quelques mois, on se disait ici sur ce plateau, qui peut arrêter le Barça? Et le Barça est en train de petit à petit redescendre en intensité. Et de passage, il relance le championnat. Ils sont qu'à un point du Real Madrid qui a un match en retard contre Valence, je crois, qui peut reprendre la tête du tableau. Ancelotti, Ancelotti, c'est pas pareil en matière de comparaison. Tu prends Ancelotti déjà qui a duré avec l'effectif, la Ligue des Champions, tant d'autres, même si lui aussi il a des problèmes avec il connaît beaucoup la Liga, il maîtrise, même s'il a quelques problèmes avec le cas de Kylian Mbappé, on n'arrive pas à savoir où il faut utiliser Mbappé. Certes, il a marqué des buts, mais
pour moi, c'est insuffisant. Mbappé n'est pas venu pour le championnat. Mbappé est venu pour la Ligue des Champions. Alors, tu prends aujourd'hui le Barça. Le Barça est en phase de reconstruction. La Ligue des Champions se prépare en championnat. Ouais. On va parler de Mbappé après. On aura le temps. Moi, je pense qu'à ce niveau, le Barça est en phase de reconstruction. Forcément, il y a des détails à revoir avec l'entraîneur. Moi, je pense que ce sont des matchs qui vont attirer l'attention de l'entraîneur, de revoir quelques détails, de ne pas se dire, voilà, le Barça est de retour. Le Barça est de retour, on va le dire, c'est lorsque le Barça va jouer une finale de la Ligue des Champions ou remporter la Ligue des Champions. Le Barça n'est pas un club qui part en Ligue des Champions, se limite à un niveau. 8e de finale. Voilà, le Barça ne se limite pas juste pour le minimum. Le Barça, c'est un grand club en Europe. En Ligue des Champions, ils sont inarrêtables. Ils sont inarrêtables pour le moment. C'est le plus important. Moi, je pense que Hansi Flick, il est en train de progresser. Il a changé beaucoup de choses dans cette formation. Le Barça perd, mais le Barça n'est pas ridicule dans les matchs. On sent de l'intensité, on sent de la volonté. Et surtout, l'absence de Yamal aussi, ça forcément, ça va leur fatiguer. Moi, je me dis que c'est extrêmement important pour le Barça. On ne peut pas se réjouir d'une défaite. Mais des fois, quand on perd 2-1, avec ces genres de clubs comme Las Palmas, ça va le remettre en cause, ça va le remettre quand même. Ils vont revenir sur terre, je peux le dire ainsi, mais enchaîner des matchs, gagner. Il n'a pas la génération de Samuel Eto'o, de Van Bommel, de Messi, de Milovic Djuli, Eric Abidal et tant d'autres. Il les a fallu beaucoup de temps pour avoir ces genres d'effectifs où tu peux taper toute une saison et puis tu perds jusque 2 matchs. Ça se travaille à la base. Moi, je pense qu'il est bien parti. On ne peut pas te taper la poitrine parce qu'on a perdu un match. Moi, je pense qu'il a le temps de régler ses problèmes. Il est concentré à la Ligue des Champions. Il n'y a pas 5 points ou 10 points qui restent entre lui et le leader. Ils ont beaucoup de temps à revenir. Moi, je pense que le Barça va se retrouver. À un moment, si on se disait que le Barça était inarrêtable, mais on voit qu'ils sont prenables, cette équipe Blaugrana, même s'ils ont le Pichichi espagnol, du championnat espagnol, qui est Lewandowski, mais ils n'ont pas pu tout de même gagner contre Las Palmas. Ils sont prenables, le Barça. Ouais, pour le moment, la configuration dit qu'ils n'ont pas l'ossature d'abord de partir en titre également au sein de cette compétition, la Liga. Mais ce qu'il faut retenir, et ça fait partie de leur objectif parce qu'ils ont beaucoup galéré dans ces dernières années. Et la Ligue des Champions en est le premier objectif que peut-être Hansi Flick veut redorer le blason, mais à un moment, la Liga aussi est très importante pour cette équipe barcelonaise parce que depuis belle lurette, on ne les voit pas sur le podium. Maintenant, la concurrence avec le Real Madrid, avec d'autres clubs, d'abord, ça reste d'abord une concurrence aussi rude, mais aussi sur la table. Les autres adversaires, Las Palmas, on a vu ce que proposait Las Palmas. C'était des visiteurs assez remontés, c'était des visiteurs qui étaient venus forcément récupérer cette victoire parce qu'ils étaient aussi à une position un tout petit peu glissante. Moi, j'ai commenté cette rencontre, mais j'ai vu une équipe de Las Palmas qui bougeait sur les côtés, qui était là en train de s'amener le ballon quand le Barça avait le ballon, avec des pressions très vite voltantes. C'est une équipe, quand ils ont marqué au Barça et puis le Barça revient sur l'égalisation, il fallait voir les côtés, comment le ballon jouait, comment le ballon partait de façon rapide et puis le deuxième but s'inscrit. Je crois que Barça, s'il continue à jouer de la sorte, c'est vrai, on peut espérer grand, mais ça serait dubitatif là-dessus. Avec ces mauvaises performances, Jean, est-ce que ça fait peur? Est-ce que vous dites, attention, on peut retomber dans l'obscurité? Disons, pour le moment, on n'en est pas là. Et moi, j'ose espérer que ce n'est qu'un accident de parcours et que ça peut arriver à tout le monde. C'est une mauvaise passe. Mmh. C'est une mauvaise passe qui peut arriver à tout le monde. Et jusqu'à preuve du contraire, j'ai confiance en Flick et en son équipe et j'estime qu'il est capable de remonter la pente et de remettre les joueurs sur le bon chemin. Et ça vient très rapidement à partir de demain parce que le championnat ne s'arrête pas. Ça continue à partir de demain et puis on verra. Moi, je ne perds pas espoir et le visage du Barça que j'ai vu lors du début de saison, je sais qu'il va revenir et j'ai confiance en Flick jusqu'à preuve de contraire. On finit la page Barça avec vous, Amadou. Oui. Accident de parcours comme le dit Jean ou pas? Bon, accident, moi je peux dire non, c'est pas des accès, c'est pas une sorte d'accident, on peut le dire ainsi. Quand on dit accident, c'est lorsque le Barça va finir une saison, le Barça est devenu champion, le Barça remporte la Ligue des Champions. Après, lorsqu'ils vont perdre avec ces genres de clubs, on dit que ce sont des accidents. Moi je pense qu'il y a toujours des choses à régler dans cette formation, mais je sais que Hansi Flick, il va s'en sortir, il est très bien parti. Vous avez vu aujourd'hui le Barça, quand le Barça perd, on en parle.
Mais la saison dernière, quand le Barça perd, on dit Bival actuellement, c'est qu'ils sont en train de traverser. Je pense qu'ils vont essayer de revenir sur terre. Ils vont travailler. C'est 2-1, c'est pas 5-0. Ils n'ont rien perdu. Ils ont le temps. Mais on ne sait pas qu'ils continuent encore les défaites. S'ils enregistrent 2 défaites, là, ça c'est le chaos. Ça, c'est le chaos, comme l'a dit Awadou. Alors, sans transition, nous allons quitter la Catalogne pour partir à Madrid, la ville, la capitale, moins de l'Espagne. Un match contre Getafe à Bernabéu. Et ça va beaucoup mieux pour Kylian Mbappé. Le Real Madrid a fait le boulot en Liga dans la foulée de sa défaite en Ligue des Champions à Liverpool. 2-0 avec un pénalty raté du capitaine de l'équipe de France. Ce dernier était de nouveau attendu par le public madrilène, d'autant en plus avec la blessure musculaire contractée par Vini Junior qui sera absent 3 semaines, je le rappelle. Il a répondu présent avec un but et une bonne performance. On va commencer rapidement par vous, Passy. Est-ce que Kylian Mbappé est en train de trouver des sensations avec le Real Madrid? Non, pas du tout. On ne peut pas s'aventurer parce qu'il a fait un match aussi XXL qui va s'ajouter à ses comptes au sein de Real. Avec un match XXL, il ne retrouve pas ses sensations. Non, on attend. Au mieux, on attend plus que ça de Kylian Mbappé parce que sa venue a été quelque chose qui a fait trembler la planète Terre et surtout au sein du Real. Mais il est venu, c'est pas ce qu'il produit en termes de jeu, surtout là où il est beaucoup plus attendu en Ligue des Champions. C'est vrai, en Liga, il veut montrer peut-être ses petits gabarits. Mais bon, les gros gabarits. Ancelotti l'attend en Ligue des Champions. Mais ce qu'il faut dire de Kylian Mbappé, il faut qu'il sorte de cette facilité qu'il en a l'habitude de faire en Ligue 1. Je veux parler en France. En Espagne, c'est l'endurance. En Espagne, c'est la flexibilité aussi. En Espagne, c'est aussi le collectif. Et pendant que Mbappé est trop individuel, je voyais un certain Mbappé dans cette rencontre, même s'il a eu cette chance, mais bon, voilà, il était aussi... C'est un but quand même difficile à mettre, ce but de Kylian Mbappé. Amadou, après Liverpool, on pensait que les médias espagnols allaient détruire Kylian Mbappé, mais ils l'ont protégé, comme ils l'ont dit. Il y a aussi des légendes qui l'ont protégé, qui sont sortis sur le plan médiatique, pas simplement des Madrilins, mais des anciens joueurs de partout dans le monde qui ont demandé de protéger Kylian Mbappé parce qu'il pourra bien retrouver des sensations. Écoutez, Mbappé, déjà, vous savez, individuellement, c'est un très bon joueur. C'est pas ça le débat. Et ils ont compris. Vous savez, si vous avez vu ces joueurs professionnels, déjà, ont dit de conserver Mbappé parce qu'en amont, ils ont vu quelques qualités de Kylian Mbappé. Aujourd'hui, c'est pas ça le véritable débat. Le véritable souci aujourd'hui du Real, c'est l'utilisation de Mbappé au niveau des postes. Vous savez, si Mbappé n'avait pas... Mais là, il joue sur son poste, depuis que Vini Junior n'est plus là. Voilà, il joue, c'était ça aujourd'hui, le véritable hic pour Mbappé dans ce club. Mais si Vinicius arrive à revenir aussi, ça va être les mêmes problèmes. Jusqu'à présent, ils n'ont pas remédié à cette solution. Moi, je me dis, quand il marque avec ces genres de clubs, c'est aussi bon pour un joueur, même si c'est un défenseur, même si c'est n'importe qui, tu arrives à marquer... C'est extrêmement bon pour toi sur le plan psychologique et sur le plan mental. Ça va lui remettre en confiance. Et on lui félicite, c'est très bon. Il a fait un très bon match, mais il doit encore être constant. On attend de Mbappé. On attend beaucoup de Kylian Mbappé. L'arrivée de Kylian Mbappé, quand même, ça a gazé dans la cité. Tout le monde a parlé. On attend Mbappé pour qu'il vienne dans cette formation pour amener la Ligue des Champions, avoir un ballon européen, en tout cas des trophées majeurs. C'est là où on attend de Kylian Mbappé. Aujourd'hui, là où il est. Si Vinicius revient, est-ce qu'il va rester là-bas? La question reste fondamentale. Est-ce qu'aujourd'hui, Ancelotti a trouvé une solution adéquate pour l'utilisation de Kylian Mbappé qui a été quand même quelque chose qui leur fatigue beaucoup depuis que Mbappé est venu? Mais voilà, quand entre guillemets on parle de cette rencontre, c'est bon. Quand il marque psychologiquement, il va être confiant. C'est extrêmement bon pour le joueur moralement et mentalement. Mais la question... Elle reste fondamentale dans un cadre général pour la vie de Mbappé, pour l'avenir du Real de Madrid dans ce, comment dirais-je, en Ligue des Champions ou bien en championnat, quand Vinicius revient, où on va placer encore Vinicius? Donc toujours, ils n'ont pas trouvé la solution, sauf si peut-être on va sacrifier Vinicius pour laisser Kylian Mbappé, chose qu'ils ne vont jamais le faire. Donc c'est à Kylian Mbappé. Jamais dire jamais. Voilà. En tout cas, c'est à Kylian Mbappé de profiter l'absence de Vinicius, de marquer beaucoup de buts à la folie. Là, il va montrer à tout le monde, c'est parce qu'il n'est pas à sa place. C'est ça le véritable problème. Et s'il ne se sent pas à l'aise, donc c'est le bon moment de trouver des solutions. Parce que Mbappé, c'est un joueur, c'est un très bon joueur. Il est ambitieux. On a vu Mbappé en Coupe du Monde. Mbappé rêve d'être... Finalement, contre l'Argentine. Contre l'Argentine. Où il sort un triplé. Ouais, il sort un triplé. Mbappé, c'est un
très bon joueur avec le volume qu'il en a, mais tout son problème, il est venu dans un club où il n'a pas sa place. Aujourd'hui même, ça fatigue les responsables de ce club. Ils se posent même la question, comment utiliser Mbappé? Laisser Mbappé ou pas? Qu'est-ce qu'il faut faire? Deux ans avant, il aurait été le bienvenu. Il a mais rétardé. Là, c'est compliqué. Il alors, a joué sur lui. Alors, Jean, je vais tourner vers vous rapidement. Ce garçon, il passe des moments difficiles, même s'il a mis un but hier contre le Retafé, mais il a tout de même manqué deux occasions qui devaient terminer au fond des filets. Pour dire que la confiance n'est toujours pas là. Non, il n'est pas à 100% au niveau confiance. C'est vrai que le match, le pénalty raté face à Liverpool n'arrange pas non plus les choses pour lui. Ça plombe la psychologie d'un joueur raté un tel pénalty. Surtout perdre le match derrière, ça aurait pu relancer son équipe. Ouais. Encore une fois, et Mbappé, le but qu'il a marqué hier, c'est un but. Ouh, c'est un but caractériel Kylian Mbappé. À chaque fois qu'il aura de l'espace, il pourra s'affirmer. C'est un joueur d'espace. On lui donne de l'espace, il va prouver ce qu'il vaut. Surtout s'il a des bons passeurs derrière qui puissent lui donner les caviar et tout, il va faire son trou. Mais pour s'inscrire dans la durée, ça sera pas facile pour lui cette saison. Parce que pour qu'il s'impose, il faudra que le coach prenne une décision. Et c'est pas sûr qu'il puisse prendre une décision, surtout lorsqu'il s'agira de mettre le potentiel ballon d'or de cette saison. En tout cas, qui est en ce moment, aujourd'hui, le meilleur joueur du monde à son poste. Au moins à son poste, c'est le meilleur joueur du monde, Vinicius. Donc, pour prendre cette décision ne sera pas du tout facile. Il a tout essayé, 4-3-3, il a essayé 4-2, 4-3-1, il a tout fait. Mais le seul système qui pourrait marcher, il ne peut pas l'utiliser, malheureusement. Son chouchou, c'est Vinicius. Mais le chouchou, naturellement, du président, c'est Mbappé. Parce qu'au-delà du football que nous voyons ici, lui, il voit les médias, il voit la communication, il voit tout ce qui est derrière Kylian Mbappé. Et aujourd'hui, en termes de produits vendables, malheureusement, Kylian Mbappé est mieux vendable que Vinicius. C'est malheureux de le dire, mais c'est comme ça, c'est le football, c'est le foot business. Cette saison, ça lui sera un peu difficile, mais à partir des saisons prochaines, on verra. Si toutefois, Carlo arrive à avoir la même mise pour prendre une décision à ce niveau, mais ça ne sera pas facile. Chers téléspectateurs qui nous regardent via Canal Sat et Star Times, restez avec nous, mais aussi la radio et surtout notre page Facebook Kavi TV. Restez avec nous, on va marquer une courte pause, on va rentrer dans la minute du partenaire. On reviendra derrière parler, bien sûr, de Yellow Bet, mais aussi continuer de parler de Kylian Mbappé. Je vous amène dans les profondeurs du monde, au début de tout, là où l'idée devient matière et la matière devient service. Dans un monde incertain où la fortune et l'infortune s'échangent les rôles en un laps de temps, la confiance est ce qui guide les pas et les paris. Conscient que le monde est une évolution et que l'évolution incite à la confiance, Yellowbet décide de monter d'un cran. Il s'invite dans vos écrans. Avec Yellowbet, c'est le ticket remboursé. C'est aussi les jackpots, sans oublier le casino, le pari sportif en vrai miel. Et la cerise sur le gâteau, c'est le commis qui réchauffe le cœur et les poches. Le service client mis en place aurait bien pu clamer. Que votre volonté soit faite, que vos paris vous soient faciles et que vos pour la première fois, tout de suite après, vous parviennent dans vos smartphones. C'est cette nouveauté qui est venue changer la vie du pari, conquérir le cœur des parieurs. Par ailleurs, les années passant, la confiance demeure et grandit. Notre Yellowbet grandit aussi avec elle. Elle fait grandir d'autres gens à travers tout le pays qui perçoivent leurs gains sans souci aucun. Yellowbet ambitionne de relever le pari de l'innovation et du choix premier des Guinéens. Porter le flambeau et s'autoriser de bons rapports avec les autorités. L'histoire s'écrit à l'encre de la volonté et l'avenir appartient à ceux qui rêvent en Yellowbet.
De retour sur ce plateau, il est 17h05. Vous savez, c'est l'heure de la minute du partenaire avec notre sponsor YellowBet. Aujourd'hui, nous n'avons pas M. So, on a M. Camara. Mohamed Camara, bonsoir. Bonsoir. Heureux de vous retrouver dans cette émission pour la toute première fois. Oui, exactement. Ça fait un plaisir d'être là. Et je salue les téléspectateurs et je salue aussi nos chers parieurs. Ok, on va continuer directement avec les questionnaires sans transition. Alors, rappelez-nous les accès de YellowBet. Ok, écoutez, nous avons plusieurs accès. C'est que le premier accès, tu peux avoir un accès avec notre site YellowBet qui est www.yellowbet.com.gn. Et avec ça, tu peux avoir un accès et créer ton compte. Et aussi, ou si tu as déjà un compte, tu peux te connecter pour placer un pari. Mm-hmm. Et nous avons un deuxième accès qui est ce que nous appelons en notre jargon USSD. Mm-hmm. Et ça évolue avec les petits téléphones, avec les claviers. Tu peux composer étoile 144. Avec les smartphones aussi. Oui, exactement. Tu peux composer étoile 144, étoile 8-2-10 avec orange. Mm-hmm. Et si tu as MTN, tu peux évoluer avec étoile 343-10 et cela peut avoir un accès de placer en pari et tu peux faire un dépôt en ligne et un retrait en ligne à la fois. Ok. Alors justement, il y a une promo, hein, je pense, avec la première inscription, on peut gagner 50 000 francs de bonus avec le code promo de Kavi Media je pense, Sigiri aujourd'hui. Sigiri, Oui, exactement. C'est que si vous arrivez à vous inscrire et que vous insérez le code promo Sigiri, au niveau du code promotionnel, vous gagnez directement 50 000 francs de free bet. Et ce free bet, c'est conditionné. C'est que vous pouvez placer un pari et puis gagner, vous pouvez retirer encore en même temps. Ok. Ah, ça, c'est super. Hein. Les téléspectateurs et les auditeurs qui nous écoutent à la radio vont bien aimer ça. Alors, on va continuer avec les questions, M. Camara. Les matchs continuent de plus belle cette semaine. Quels sont les promos qui les accompagnent cette semaine? Ok, c'est comme de façon continue, nous avons le promo toujours pour mettre en joie nos parieurs. Okay. Et c'est que nous avons le Kumi bonus, où nous pouvons booster le gain d'un parieur jusqu'à 1000% de bonus. C'est que si vous avez à partir de 5 sélections, et dont les événements, dont les cotes sont supérieures ou égales à 1,20. Okay. Et à partir de 2000 francs, on peut booster votre gain. Par exemple, c'est que si vous prenez 5 équipes, les 5 équipes, vous placez 2000 francs, on peut booster votre gain de 6%. Et okay, si vous prenez de 7 à 8 équipes, on booste votre gain de 8%. Okay. Et si vous prenez à partir de 8 jusqu'à 10, nous pouvons booster votre gain de 10%. Donc, okay, c'est deux façons proportionnelles qui sont définies dans zone intervalle. Mm-hmm. Et ce qui est trop intéressant dans ça, on peut booster votre gain jusqu'à 1000% à partir de 60 équipes. À partir de 60 équipes, oui. À 1000%, c'est costaud, Amadou. C'est l'un des plus grands parieurs ici. On peut le dire comme ça. Alors, on va continuer avec les questions et la promotion que j'aime beaucoup chez YellowBet. La promotion Bet Champion finit le 8 décembre. Qu'est-ce que vous proposez? J'aime bien cette promo. Oui, je crois que vous n'êtes pas la seule. Il y a beaucoup de personnes qui aiment cette promo-là. Et c'est une promo aussi qui est tellement intéressante. Comme vous l'avez dit, ça finit le 8 décembre. Et cette fois-ci, nous proposons un iPhone de 14 Pro Max à la personne qui serait... Une chance pour tout le monde d'avoir un iPhone 14 Pro Max. Hein. Oui, il faut s'y mettre le plus rapidement que possible pour ne pas manquer cette promo. Exactement. Donc là, c'est le cumul des points. Par exemple, vous prenez une cote de vent, vous placez 10 000 et si votre gain, votre ticket est validé, la cote de 20 là serait à votre actif. Donc on va cumuler ça au fur et à mesure vos paris et à la fin de la promo, c'est ce que nous allons accumuler. Et si vous êtes la première personne à avoir beaucoup plus de vent, là vous remportez la promo. Il y a quelques-uns qui ont remporté des iPhones, de l'argent aussi, je crois. Oui, exactement. Il y a aussi les free bets que nous partageons. Et c'est de façon, il y a des gens qui ont gagné les pièces, les téléphones. Donc, c'est comme ça. Et nous avons aussi des bonus free bets que nous octroyons. Allez-y, tentez vos chances. Oui. Et sûrement, vous allez gagner soit un iPhone ou bien, comme dit free bet, nous, on préfère dire de l'argent. Vous pouvez aller gagner de l'argent et pourquoi pas l'iPhone 14 Pro Max. La promotion finit le 8 décembre. Alors, il faut aller au maximum, essayer de parier. Comment ça se passe? Il faut parier plusieurs fois pour être enregistré pour la promotion, M. Camara. Oui.
Il faut jouer plusieurs fois pour être enregistré. Oui, pour avoir la promo Bet Champion, vous pouvez jouer plusieurs fois et c'est d'avoir beaucoup plus. Il faut gagner aussi. Oui, il faut gagner. C'est, par exemple, c'est ce que j'ai dit. Et, par exemple, vous placez un pari avec une cote devant. Donc, si vous ne gagnez pas, c'est. Non, c'est pas votre actif. Ça serait pas votre actif. Ok, on va continuer les questions. Alors, comment fonctionne le cash out sur votre plateforme? Ok, oui, le cash out, c'est un mécanisme qui aide quelqu'un à avoir le contrôle sur ton ticket. Et je crois que le mécanisme-là est très très important pour les parieurs. Et il se peut même au début où vous venez de placer votre pari, vous pouvez même avoir le contrôle. Par exemple, vous vous rappelez, déjà la composition de cette équipe n'est pas bonne et je me suis rappelé. Donc, tu peux cliquer là-bas et retirer ton argent en même temps. Aussi de long, si par contre tu as pris 10 équipes, il y a 8 déjà qui sont remportées. On fait une proposition et donc dans ça et puis vous pouvez retirer votre argent. Ok, on va continuer justement les questions et il y en a deux qui restent. Alors, le projet d'affiliation avec vos commerciaux marche toujours ou pas? Oui, exactement, ça continue. Vous savez, avec un monde qui est en expansion numérique actuellement, il faut associer le business avec le monde numérique. Et donc, c'est ce que nous avons fait. Nous avons initié le projet affiliation avec les commerciaux, même pas seulement avec les commerciaux. Il y a certains qui demandent, c'est que vous pouvez gagner jusqu'à 15% sur les paris perdus de vos filles, qu'on peut dire, de vos parrainés. C'est que vous devenez un associé externe de YellowBet. Là, c'est clair. Et c'est qu'à la fin du mois, vous recevez votre dividende, qu'on peut dire votre bénéfice. Et donc, c'est ainsi. Et ça marche. Oui, ça continue toujours. Il y a les commerciaux qui sont sur le terrain à chaque fois. Ils continuent et puis ils le font. Alors, la dernière question. Vous avez des canaux, vos canaux du digital. Parlez-nous, faisons un peu. Oui, nous avons plusieurs canaux, les canaux digitaux qui sont là, tels que Facebook. Nous avons notre Facebook, il y a notre plateforme qui est là-bas où nous faisons à chaque fois, si nous avons les promos, nous les diffusons là-bas. Nous avons les cadeaux, nous les diffusons là-bas, tels que à chaque fois, nous avons plus de 400 000 free bets ou les promos avec l'aviator, les 8 millions, les cashbacks. Donc, c'est que nous avons aussi les canaux digitaux. Les canaux digitaux tels que TikTok, tels que aussi Telegram et ainsi de suite, ce que nous avons créé pour que les parieurs soient au courant de nos offres à chaque fois et à chaque instant. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Ok, merci. À YellowBet, on est toujours avec vous. Hein. Oui. On espère vous aussi gagner chacun. iPhone 14. Même si c'est 13, c'est pas mal. Parce qu'après, je dois offrir un iPhone à ma femme, il ne faut pas que je parle lâcher. C'est quand même costaud. Ok, il n'y a pas de souci. C'est lui le plus grand. Ah, c'est lui, hein, il a même, comment on l'appelle? L'aviator. C'est son jeu préféré. Là, c'est à chaque instant. C'est son jeu préféré, il apporte beaucoup d'argent. Je veux qu'il soit là-bas pour remporter son iPhone. Il n'y a pas de souci. On espère. Alors, vous allez rester avec nous, on va terminer l'émission avec vous. Nous allons continuer de parler de Kylian Mbappé. Le protéger ou pas, Amadou? Bon, Mbappé, le protéger, en le protégeant, on risque de lui faire perdre. Parce que moi, le retour de Vinicius m'inquiète beaucoup. Aujourd'hui, le véritable débat, le véritable problème, c'est comment utiliser Mbappé. Il ne s'agit pas de conserver Mbappé. Je vous ai dit, Mbappé, son objectif... Ah, pour vous, le Real ne l'utilise pas comme il faut. Bon, comme il faut, il n'a pas sa place. Parce qu'aujourd'hui, personne ne peut se hasarder pour mettre Vinicius sur... Ancelotti a tout essayé. Voilà, il a tout essayé. 4-3-3 et 4-2-2. Ouais, ça ne peut, ça peut pas marcher. Ça peut la pas meilleure marcher. Option, c'est de mettre Vinicius sur le banc. Aujourd'hui, c'est que Mbappé... Pour le contraire. Aujourd'hui, c'est que Mbappé doit savoir. Le Real a tout eu. Mais lui, il a beaucoup de choses à prouver. Il a besoin d'un ballon d'or européen. C'est un joueur qui nous a montré en amont qu'il a des ambitions, qu'il a des objectifs. Mais à l'allure où il est, la position où il est avec le profil et aujourd'hui avec l'effectif de cette formation des Merengues, je ne pense pas qu'il a sa place. C'est à lui de prendre une très bonne décision. Déjà, il a tergiversé de venir dans ce club. C'était une mauvaise décision. Il a beaucoup retardé de venir au Real. Aujourd'hui, le fait qu'il est venu en retard, il rencontre des sérieux problèmes. Alors, c'est le bon moment de prendre une décision,
de se focaliser, d'oublier des critiques, partir franchement dans un club où il aura sa place, où on peut l'utiliser. Mais à l'allure où Mbappé est en train de progresser, je vois Mbappé en train de perdre. Vous vous attendiez à ça, Jean, à sa signature, vous avez dit que ça va être compliqué pour Mbappé de s'adapter en Espagne. Oui, je le voyais dans le sens où sa place n'était pas acquise. Et je le voyais aussi dans le sens que le Real est déjà une institution, alors que c'est un joueur qui, depuis le début de sa carrière, a joué pour des équipes où pratiquement il est dépassé en termes d'aura. Donc, où il pouvait imposer sa vision des choses. Et au Real, je savais que ça n'avait pas marché. Et c'est ce qui se vérifie aujourd'hui. Alors, et pour qu'il s'impose au Real, en tout cas pour cette saison, moi je trouve et je pense qu'il doit faire le deuil du côté gauche avec le Real pour cette saison. Il doit faire le deuil et commencer à travailler ses automatismes en tant qu'attaquant de pointe. Parce que les besoins du Real en ce moment, c'est à ce niveau. Ça ne marche pas, mais c'est à lui d'abord de faire le deuil du côté gauche, ensuite de travailler ses qualités, de travailler les qualités qu'il n'a pas pour être un attaquant de pointe, afin de dépanner cette saison à ce poste-là. Même si les années prochaines, à partir de la saison prochaine, peut-être que le Real pourra prendre une décision. Il y a des rumeurs de départ de Vinicius par-ci, par-là, qu'on pourrait voir et tout. Mais à l'immédiat, pour qu'il s'impose, il doit faire le deuil du côté gauche et travailler cet automatisme en tant qu'attaquant de pointe parce que le besoin est à ce niveau et pas ailleurs. Pourquoi pas, Hendrick aussi, c'est une solution. Hendrick, Kylian Mbappé et Vinicius Junior. Vous savez, il est bon de jouer en Ligue 1. Je vais parler du championnat français. Attention, c'est trop. On connaît la position de la Ligue 1. On va s'intéresser juste au Real Madrid. Ça n'a rien à voir. Dites-moi aujourd'hui, vous ne pouvez pas compter 25 joueurs en Europe qui ont brillé en Ligue 1 et qui sont venus briller dans les autres 4 autres championnats. Mais attention, Mbappé, il a brillé en Ligue des Champions. Non. Mbappé a triplé en Coupe du Monde contre l'Argentine. Il faut le faire. Mbappé a brillé avec un club. Je vais parler du Paris Saint-Germain. Mais ici, la configuration est complètement différente face à, qui n'a rien à voir avec le Real Madrid ou avec d'autres clubs au sein de l'Espagne ou en Angleterre. Ce que Mbappé peut proposer en France, il n'est pas possiblement qu'il peut proposer ça en Europe, en Espagne. C'est tout à fait différent. Aujourd'hui, l'adaptation, les autres sont en... Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais est-ce qu'il faut dire, il est un grand joueur individuellement, mais s'il faut s'inscrire dans cette collectivité-là, il va falloir qu'il se remette en cause et continue à travailler, trouver cette qualité d'attaquant de pointe, chercher cela comme d'autres joueurs l'ont fait et puis s'aventurer avec le Real Madrid. À défaut, c'est de claquer la porte et puis partir ailleurs parce que la facilité, ça s'enfonce. Claquer, hein, la porte. Non, mais attention. Mais attention. C'est compliqué de claquer la porte. C'est comme le cas de Guirassy. Lorsqu'il était dans Stuttgart, tout le monde travaillait pour Guirassy. Oui. Mais il est venu avec Dortmund, c'est à Guirassy de débloquer la situation. Mais aujourd'hui, avec c'est le. C'est pas les mêmes clubs. Oui, hein. Écoutez, aujourd'hui, avec le Real, pensez que Vinicius, Bellingham et Rodrigo, ils vont continuer à servir Mbappé. Ils ont presque les mêmes objectifs, c'est d'avoir un ballon d'or européen. Donc, c'est des concurrents qui se retrouvent dans un club. À un certain moment, l'autre là, et l'entraîneur de Liverpool avait rencontré ses problèmes. Naby Keita, qui était parmi les 30 nominés ballon d'or africains, Sadio Mané, qui était très bien parti, Monsala, qui était très bien parti au finish. On a essayé de les dissuader. Ouais. Il a tranché, il a choisi. Bon, mais Salah est resté. Il a laissé Sadio Mané et puis... Voilà, il a pris ses responsabilités, Mané est parti, ça criait, mais aujourd'hui, Mohamed Salah, c'est un problème, c'est un problème de coaching. De coaching, c'est ça. Il faut trancher. Il a touché un point très important. Les joueurs qu'on a cités là, c'est des joueurs qui, en termes de passé, personne ne peut s'imposer sur l'autre au Real de Madrid. Tous les quatre, personne n'a un ballon d'or, personne n'a réussi à prendre en charge une équipe à lui seul pendant des années durant, contrairement à l'époque, parce qu'il faut prendre les faits tels qu'ils sont. Mais par exemple, la MSN avec le Barça, il y avait un joueur qui coiffait tout le monde, il y avait Messi en haut. La BBC, il y avait Ronaldo en haut, tout le monde savait qu'il volait, c'était lui le boss, c'est-à-dire c'est lui qui impulsait quelque chose. Avec Liverpool, ça n'a pas trop marché parce que pratiquement tout le monde était au même niveau. Alors au Real, je trouve que dans l'immédiat, ça ne sera pas facile pour l'un des quatre de se mettre en haut de ces trois autres et de dicter son leadership, parce que c'est une question de leadership. Ils veulent tous la même chose, personne n'a le ballon d'or, et ça va continuer à tirailler comme ça. Et ça ne va pas être, ce n'est pas aisé pour Carlo. Est-ce qu'il faut trancher pour Carlo? Ça, il faut trancher, mais ça ne comme sera pas facile. Comme l'a fait Zidane, non, avec Bale.
Je l'ai dit tout de suite. Jürgen Klopp l'a fait. Si aujourd'hui, j'estime, vous savez, les coachs, ils visent que les résultats. Aujourd'hui, il a eu des résultats avec Vinicius. S'il faut faire un choix, il va choisir Vinicius. Ouais. Mais le chouchou, ou en tout cas l'homme du président en ce moment, c'est Mbappé. Médiatiquement, il est plus vendable. Malheureusement, même si sur le terrain, ce n'est pas la même chose avec Vinicius, mais médiatiquement, sur le plan communicationnel, et l'aura, j'ai envie de dire, la boulimie de star du Real rime plus avec Mbappé qu'avec Vinicius aujourd'hui. Non, mais on ne peut pas prendre une décision en milieu de saison. À l'immédiat, si Mbappé veut jouer, il doit travailler ses automatismes en tant qu'attaquant de pointe. Et pour l'avenir, on verra. Et est-ce qu'il faut l'attendre comme Karim Benzema, qui avait aussi des problèmes avec le Real Madrid? Il a fallu attendre trois saisons pour qu'il puisse exploser. Est-ce que ça peut être le même cas? Il était plus jeune, il avait plus de qualité. C'est que vous n'avez pas compris, même s'il est l'aîné, le fils aîné du président de club, à un certain moment, les supporters vont manifester leur ras-le-bol. Attention, Karim Benzema, il a eu le temps. Hein. Écoutez, il a été le protégé du président de club. Mais au fur et à mesure qu'il jouait, il progressait. Ouais. Il était jeune surtout. Ouais, il progressait. Il a ramené la Ligue des Champions. Il a ramené un ballon d'or. Vous avez vu, il a atteint son objectif. Mais on ne peut pas continuer à protéger Mbappé s'il ne progresse pas dans les grands matchs, dans les grands rendez-vous. Contre Liverpool, il passe à côté, il te manque en pénalty, il revient avec des clubs comme Retafe, se tape la poitrine, ça ne peut pas marcher, ce n'est pas le même profil. Benzema, déjà, c'est un joueur. Lorsqu'il y avait l'entraîneur qui était là en ce moment, ne lui privilégiait pas. C'est l'arrivée de Zinedine Zidane, c'est Zidane qui l'a remis en confiance, il a donné un temps de jeu. Attention, Benzema, c'est 8 buts lors de sa première saison en 15 matchs. Oui, il y avait Raoul. Il y avait Raoul aussi. Exactement. J'avais dit, il y avait des joueurs de qualité qui lui dépassaient. Donc, il fallait un entraîneur qui allait prendre quelques risques et lancer un jeune joueur et lui remettre en confiance. C'est ce que Zidane a fait. Zidane a rangé les vestiaires. Aujourd'hui, Mbappé doit savoir quelque chose. Avec le Real, il ne peut pas attendre. La concurrence, elle est très rude. Le Barça est de retour. Vous avez vu le Barça? Même s'ils ont perdu ce match, il y a quelques retouches. Et aujourd'hui, l'adversaire direct, c'est le Barça. Barça, Real, Liverpool, c'est des grands clubs où on ne peut pas attendre un joueur. Soit, c'est ce que Jean a dit, il change sa mentalité, il se transforme en attaquant de pointe. Et Drogba était défenseur, il s'est transformé en attaquant de pointe et puis ça a marché. On a vu des joueurs qui étaient attaquants qui sont transformés en défenseurs. Soit, après le Real, il cherche un club où on va l'utiliser, il va avoir son objectif, ou bien il reste là-bas, il va passer son temps, il va faire du buzz, on ne le sait pas qu'il soit comme un Neymar. Alors, est-ce qu'on peut le retrouver à 100% notre client Mbappé? S'il continue à travailler, on pourra forcément le retrouver, surtout que à ce moment de galère, j'y arrive, de Vinicius. C'est à lui de donner le sourire au président. Il a trois semaines tout de même. Oui, c'est à lui. Mais la trêve arrive, hein, rapidement. C'est à lui de donner le sourire le mois de décembre. Au président Ancelotti, mais aussi au président et au coach. Parce que naturellement, c'est son moment. Comme on dit que chacun a son étoile, il est temps de briller et puis s'affirmer encore au sein de cette ligne d'attaque. Mais tactiquement, en termes de statistiques, on ne peut pas mettre Vini sur le banc au détriment de Mbappé. Ça ne pèse pas lourd pour le moment. Ça ne pèse pas lourd. Mais s'il continue à travailler, surtout en mettant en tête qu'il est là pour non seulement avoir des titres individuels, parce qu'il en a tant cherché depuis au Paris Saint-Germain, il est venu au sein du Real, il est temps de mettre en tête qu'il est attaquant de pointe, d'abord psychologiquement, qu'il se prépare d'abord avec cette rationalité par rapport à ce qu'il propose sur le terrain. Et puis se transforme également dans la ligne d'attaque, comme en étant un attaquant de pointe pour être là afin de marquer. Mais est-ce qu'on va lui servir? Je crois, maintenant, c'est là, depuis très longtemps, on est en train de parler de cette configuration, de cette ligne d'attaque. On disait que cette utilisation serait tellement compliquée sur Ancelotti, et ça est en train de prouver. C'est à lui de prouver qu'il est fervent attaquant, et la philosophie de jeu, parce que le Real, c'est une institution, il ne suffit seulement que donner des ordres et gérer les vestiaires. Peut-être que s'il s'avère vrai qu'il est véritablement l'attaquant pointe, il va falloir qu'on se retourne encore dans les vestiaires comme pour dire que vous travaillez pour lui. Il est aujourd'hui le serial buteur du club et il faut le servir pour pouvoir marquer. Ils sont là pour le titre collectif. Je crois que ça pourrait marcher. Il a tout de même montré des signes vers la lumière. On peut le dire comme ça. Ah, ce but, il est magnifique. Ce dribble contre le gardien, même s'il n'a pas ce but-là, on peut dire qu'il montre des signes.
Oui, il montre des signes qu'il n'est pas, même si psychologiquement il n'est pas au top, mais il tient le coup. Il tient le coup parce que le but c'est un but caractériel Kylian Mbappé, le but qu'il a marqué ce week-end. Ouais. Donc ça c'est un bon signe. Mais encore une fois, le problème de leadership au niveau de l'attaque du Real se pose et va se poser à l'avenir. Peut-être que l'entraîneur va dire aujourd'hui c'est toi le leader, tout le monde va travailler pour toi maintenant, mais ça ne marche pas comme ça. Ça marche avec du leadership, c'est-à-dire le leader il s'impose de lui-même, on ne l'impose pas. Ouais. On ne l'impose pas. Si c'est Mbappé qui devra être le leader peut-être dans les années à venir, c'est à lui de prouver aujourd'hui qu'il est capable de travailler pour les autres. Ouais. Ensuite, de recevoir le travail des autres, de profiter plutôt du travail des autres, ainsi de suite. C'est comme ça que ça fonctionne. Aujourd'hui, si Vinu est là, c'est lui le leader de l'attaque. Il n'est pas le leader parce qu'il est le plus grand, mais de par sa contribution, notamment la saison dernière, et cette saison, tous les matchs difficiles du Real qui sont débloqués par lui. Donc, on s'impose en tant que leader comme ça. Contrairement à ce que Mbappé a eu avec le Paris Saint-Germain, laissez-moi rappeler ça, pour la plupart des privilèges qu'il a obtenus avec le PSG, il les a réclamés pour les obtenir. Et au Real, je doute fort que ça puisse passer comme ça. Surtout, oubliez les 50 millions d'euros du PSG. Tout ça. C'est concentré. Ça va être très difficile. Parce que l'argent, il va avec l'argent. Les gens disent qu'il aime trop l'argent, mais bon, il travaille aussi pour ça. Et c'est son argent, tout de même. Vous êtes d'accord avec Jean? Ben oui, je suis d'accord avec lui. Hein. Il a parfaitement raison. Il y a eu des joueurs qui ont rencontré ces genres de difficultés. Mais il faut être mature dans la tête. Je ne sens pas de maturité avec Kylian Mbappé. Regardez ses sorties, regardez ses choix et ses destinations. Il a tout le temps raté. Il faut que Mbappé soit très bien structuré, qu'il soit encadré. Il a un talent. Mais si le joueur n'est pas structuré, si le joueur n'est pas encadré, forcément, il va quand même traverser des choses qui sont compliquées. Ce qu'il est en train de traverser, c'est à lui de trancher. Il peut quand même se transformer. Soit il se transforme en attaquant ou il quitte le club. Il n'a que deux choix, deux options. Il se transforme en attaquant, il marque, soit il quitte le club. Parce que je ne pense pas qu'aujourd'hui, les joueurs comme Bellingham, des jeunes joueurs qui ont des ambitions, vont continuer à servir Mbappé. Ça ne se fera jamais. Rodri, on n'en parle même pas. Attention, ça se fait. Ouais, ouais. Bon, je ne pense pas qu'ils vont le faire. Ça peut se faire. Mais ça s'impose. Mais ça dépend de Mbappé. Ça dépend de Mbappé, ça dépend de la collaboration, ça dépend du management au niveau des vestiaires. Il peut quand même revenir. On a vu, je prends l'exemple sur le cas de Guirassy. Quand il était venu au début, on ne lui donnait pas le ballon. Tu sais, qu'est-ce qu'il a fait dès qu'il a le ballon? Il donne aux autres pour qu'ils marquent. C'est attirer leur attention. Donc, il peut se transformer en leader dans le jeu. Il est là, dès qu'il a le ballon, il va servir Vinicius. Dès qu'il a le ballon, il sert les autres. Il marque. Dès qu'il ne marque pas, il a des passes décisives. C'est extrêmement important. Ça va lui remettre en confiance. Et deuxièmement, les autres vont adhérer dans l'esprit de Mbappé à force de l'accompagner. Tout dépend comment il se comporte sur le terrain et après les matchs. Ah, j'ai vu une image qui fait très mal de Kylian Mbappé, qui était désemparé, hein, je vais le dire après, comme ça, après le match contre le Liverpool. Ah, ça faisait très mal, surtout quand on connaît l'immense talent de ce joueur qui est extraordinaire. En tout cas, on va s'arrêter là et prier pour Kylian Mbappé. Merci Amadou d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ben oui, c'est à moi de vous remercier parce que quand même, on a quand même fait utile des sujets qui sont extrêmement... important, surtout le cas de Ilex Moriba. J'ai beaucoup aimé ce débat et je le réitère encore, je ne déteste pas Ilex Moriba, c'est un bon joueur, mais il faut qu'il progresse, il peut faire mieux. Et le ménage, à vous. Merci. Amadou, merci. Bienvenue merci. Dans la cour des grands. Merci. On l'attendait et finalement vous êtes avec nous maintenant. Et vous, Jean, merci. Merci, je voudrais avoir une pensée positive, une pensée surtout pieuse aux familles de toutes les victimes de Zérékoré du match de football. Nous parlons football aujourd'hui. Ces victimes sont parties pour regarder un match de football. Ils n'ont pas signé pour avoir un tel sort. Qui repose en paix. Nous souhaitons courage et beaucoup de prières à leurs proches. Ah, qui repose en paix. On va en parler le jeudi dans l'émission World Sport. De l'autre côté, on a Bangoura. Ouais. Merci. Camara. Ah, ok. Merci à tous ces téléspectateurs qui ont eu l'intérêt de nous suivre. Un cœur meurtri également du côté de Zérékoré. Paix à leurs âmes. Et merci, Monsieur Camara. C'est la toute première fois. Oui. On espère vous revoir très rapidement dans cette émission. Oui, Inch'Allah. Et je remercie vos chers téléspectateurs. Et surtout, je les invite de continuer à parier sur le net parce que chez nous, c'est très simple.
Ok, donc, très très simple. Voilà. Ah, voilà pourquoi il s'y met. Non, moi, je suis même ici. Alors, moi, je donne un carton vert à l'ensemble de la technique, et surtout notre. Je parle de Michel Ouamouno, notre réalisateur. J'ai tergiversé un peu. Merci beaucoup, le grand Badrilin, le futur ballon d'or de Kavi Media. J'ai donné notre carton vert à la rédaction sportive qui m'a aidé à préparer cette émission. On se retrouve jeudi dans l'émission World Sport.